Oh, je vais y arriver. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu la voix enrouée. J'étais claqué, vous voyez l'heure de mon démarrage. Je crois que c'est la première fois que je démarre aussi tard, un dimanche matin. Mais j'avais besoin de repos. J'ai quasiment fait le tour du cadran. Là, je sors de 11 heures de sommeil. J'ai pas dormi autant depuis. J'étais claqué mort en fait. Donc j'espère que vous allez bien. Ouais, je vais pas tarder à prendre. Pardon, je termine de remettre les piles dans la télécommande. Et je reprends manette en main et on continue le. Enfin, je continue en votre compagnie le championnat rallye sur PS2. Et là, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Ça a pas l'air de marcher. Bon, soit les piles sont nasses, soit j'ai pété la télécommande. Bon, tant pis, on verra plus tard. La joie d'être un dimanche matin. Là là, baba cool. Et je pompe. Oh là là, qu'est-ce que je me sens bien comparé à hier? Hier j'étais dans un état grippal et là je suis baba cool. Oh, ça fait du bien. Pourvu que j'ai récupéré toute mon énergie en une nuit et que je me passe un dimanche. Alors au programme d'ailleurs, on parle de dimanche. Au programme, ce matin je devrais rester jusqu'à vous. Là je suis quasiment certain que je vais rester jusqu'à 13h parce que je démarre tard. Donc on va faire Vroom Vroom, voilà, rallye sur PS2. L'après-midi, en gros, 14h-18h, Duke Nukem, je vais le faire avec vous, Duke Nukem, je l'ai promis à SDR et à FunFan, enfin, surtout FunFan, il nous rejoindra à ce moment-là. Duke Nukem aux Caraïbes, là où il y a les belles nanas en bikini, il y a Cocotier et compagnie. Et à 14h, à 18h, on va basculer chez l'ami Mambastos. Ou avec un peu de chance, si on est plusieurs participants, il va nous proposer un scrib.io, scrib.io en anglais. Donc en gros, c'est dessiner, c'est gagner. C'est bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette variante, ça change un peu de Gartic Phone. Sinon, il improvisera un truc si on n'est pas assez de participants, bon tant pis. Mais bref, c'est un dimanche détente. Tranquillou. Alors attendez, je vais peut-être mettre le signal de la PlayStation 2. La question est 4 tiers ou 16 neuvième? Du coup, je sais même plus. Depuis que cette semaine, j'ai changé mes plans. Là, je dirais. Bah oui, je dirais 4 tiers. Parce que si je mets 16 neuvième, c'est. Non, c'est pas approprié, 16 neuvième. 4 tiers, c'est bien. J'ai l'impression que le signal est trop haut pour le jeu là. Ah ouais, ça dépend si c'est la PS3 ou la PS2. Attendez, faut que je modifie des trucs. Oh mon Dieu, quelqu'un vient d'arriver. Bonjour. La première fois que j'ai le son. Bonjour Nimlane. Oui, Nimline, je crois que je prononce bien. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, merci d'être là. Alors, comment expliquer? Phase bêta, hein, je déclare de ma chaîne. Théoriquement, je démarque le 1er janvier. Pourquoi? Parce que je suis en train de la construire dans le gros œuvre. Donc là, par exemple, la barre verticale façon chantier, c'est nouveau, c'est d'hier. Et petit à petit, là, je mets tout en place. Ouais, je prononce bien. Ok, c'est bien la française. Parfois, je serais tenté de mettre l'accent à l'américaine. Donc c'est Nimline. Et donc, ma chère Nimline, bah, le son là par exemple de Fête foraine quand t'arrives, t'as tel, 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 tel. Je suis content, je l'ai implémenté il y a quelques heures à peine. Donc, c'est bien, je trouve que c'est bien équilibré, je suis content. Ça se met en place, c'est un bon résultat. Bref, tout ça pour dire, j'espère que Merci tu es. Cousin pour ce tâche de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Oui, j'espère que tu vas bien, Nimeline, en ce dimanche matin. J'étais en train de me faire ma critique en me disant le signal vidéo de la PS2, et je suis de la vraie captation, hein, c'est pas de l'émulation, je tiens à le préciser. Il est un peu trop haut, et j'ai une barre blanche, une barre blanche, une barre noire en bas. Donc je ferais bien de remettre proprement le truc.
Attendez voir. Ah! Est-ce que je peux pas faire un contrôle? Oui, voilà, une image pleine, s'il vous plaît, merci. Voilà, là c'est classe. Là j'ai tout l'écran de la PS2. Je vais même pas me demander si je peux pas élargir un peu. Attendez voir. Ah là, qu'on ait un peu plus de signal. Oh, le programme il me le bloque. Voilà, qu'on en profite, eh oh. Qu'on ait un truc de correct. Voilà, là ça m'a l'air d'être bien pour ce matin. Allez, Zou, je vais me mettre à jouer. Fini de bavarder. Alors, je tic. Le câble est tout juste tendu. Voilà, la belle manette d'origine de la PS2. Pour ceux qui s'en souviennent pas. Ah, attendez, je vais faire mes muses. Oula, j'ai presque scindé en bas les options. C'est... Bah, c'est bizarre l'écran là, il est... Il est casé sur le côté. Attendez. Je ne comprends plus. Bah, en fonction des écrans, ça change. C'est le bazar, c'est le bordel. On peut le dire. Ah mon dieu. Non, c'était bien centré, c'était correct. Bah, on va faire comme ça. Honnêtement, j'arrive à lire. Je vais pas me battre davantage. Ouais, on va faire Von Brom. Il doit être là d'ailleurs, mon bazar bordel. J'ai un son pour en plus, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. C'est officiel, c'est le boxon, c'est le bazar, Voilà, ça c'est fait. Voilà, championnat. Je vais reprendre la suite de mes aventures. Je sortais de la Nouvelle-Zélande. Attends, la musique, je trouve qu'elle est forte. Je vais hop descendre d'un cran parce que. Donc j'ai fini, j'ai remporté la Nouvelle-Zélande. La question est on va où après? On voit que je joue en facile. Hein. Bonjour Chris, j'espère que tu vas bien mon cher Chris Golgot. Je prononce au complet. Oh Saint-Rémy. Ah ouh. La course se déroule sur la station balnéaire de la Riviera, puis dans les montagnes, et retour au point de départ. Les épreuves sont sur asphalte, mais le mauvais temps peut le laisser couvert d'une couche de terre, de feuilles et de gravier. La finale approchant, personne ne peut se permettre de sous-estimer sans répondre. Oui, t'as bien raison de te couler un café, Chris. J'ai de l'écho. Ah, c'est bizarre, pourtant le son de mon téléviseur est pas fort. Merci hein, du signalement. Ah si, le son est très fort. Mince. Non, le problème, c'est qu'il faut que j'entende quand même les alertes. Si à un moment, j'ai mon modérateur qui arrive et qui me balance la synthèse vocale, ou vous me balancez des sons pour X raisons, il faut quand même que je les entende. On est là pour avoir des interactions. J'espère que là, ça va être moins prononcé. Mais, ouais, merci pour l'info, Chris. Bon bah bon café à toi. Alors pourquoi je faisais la grimace? Parce que pour reprendre le championnat à Sanremo, c'est une configuration un peu à la Corse. C'est le pire des rallyes pour moi, où je suis mauvais. C'est vous n'avez pas le droit de faire d'extérieur. C'est-à-dire que vous avez la rambarde de sécurité qui est à ras de la route. Et c'est des tracés sinueux en montagne, relief escarpé. C'est accidentogène au possible. C'est le rallye où je suis le plus mal à l'aise. En opposition, là où je suis à l'aise, c'est la glace de Suède, où les pistes sont larges, et tu peux tricher avec la neige en bord de route pour te remettre sur la piste, en fait. Il y a un effet coussin, si je puis dire. Mais là, t'as pas le droit. Alors, en plus, c'est des murs en parpaing, les fameux murs en pierre sèche. Bonjour, Elogir. Alors, pardon, je fais mon épreuve de rallye. Et pendant le ralenti, je papote avec vous, bien évidemment, c'est le principe. Oula. Dans deux droites. 50, trois droites.
Et du coup, tu m'as donné envie de boire la suite de mon café au lait, Chris. Moi aussi, je me dope au café le matin. Le dopage matinal. Voilà, le coup de la rambarde, je viens de la... plus que de la lécher, là. Oula. Je pilote comme un mec bourré. Va falloir que je me réhabitue à la gâchette de la manette. Enfin, la gâchette. La... on va dire le bitonio. Oh là là. On voit que le rallye est dangereux, il n'y a pas beaucoup de public sur le bord. C'est vraiment escarpé là aussi. C'est accidentogène à souhait. Oh là là. Ah, il y a eu un peu de public en haut. Comment planter sa bagnole dans un mur en pierre sèche? 50, long, 2, droite, sur crête. La 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 la. Ah bah ceux qui ont une grande motorisation, ils sont avantagés. Ah mais j'ai merdé mon freinage. Ah oui, là, il y a du peuple, là, en haut. Oh là là. Bonjour, les gens. Je fais n'importe quoi. Hop 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 hop. Dans 3 droites et 4 gauches. Attention, saut devant. Dans 5 droites. Attention, saut devant. 4 gauches. Non, serre les dents. Il y a un peu de ça à mon avis. Quand t'es à bord, il y a de quoi. Oh, la petite maison. La maisonnette. 3 gauches, serré. Dans 4 gauches. Oh là, oh là, oh là, oh là, pas bien le virage, j'ai fait n'importe quoi. Arrivé. Oui, je vais pouvoir vous lire dans le chat. Alors. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 3, 2, 1, vas-y. Tac, tac, tac. Ah ah ah, Elogir, tu t'es endormi sur un direct. Mais merci, c'est sympa du coucou. Bon dimanche à toi, Hello. Non, moi je suis filtre, je supporte pas les capsules. Ouais, bah oui. Avec ma fameuse tache chat. C'est là où il y a mon café au lait. Oh bah bon week-end en famille, Nimeline. Merci d'être passé, c'est adorable. Merci tout plein d'avoir inauguré mon direct d'aujourd'hui. Ah oui, la famille c'est important, t'as bien raison. Prudence si tu prends la route, hein. Vu que c'est la mauvaise saison là, faut vraiment faire gaffe aux endroits où ça glisse. Ah, merci tout plein, à une prochaine, Nimeline. Bon dimanche à toi. Ah là 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 là. Une heure de route. Ouais, bah prudence, ouais. Ouais, ouais. Il y a les zen. Donc,
toute la journée ne soit que plaisir et douceur. Eh bah, bonne route à toi. Ouais, c'est bien, Emeline, cool. Alors moi, je suis bien content d'être peinard chez moi aujourd'hui. Hein. J'avoue. Non, non, hier, j'étais claqué. Ça fait longtemps que j'ai limite fait le tour du cadran, comme on dit. J'ai dormi 11 heures. Je me suis réveillé il y a moins d'une heure. Là, le temps d'allumer l'ordi, de faire ma toilette, il s'est passé peut-être une grosse demi-heure. Mais je l'ai fait dès ma sortie de Plumard. Non, j'ai dû m'endormir vers un peu avant 22h hier. Donc, non, j'étais pas loin des 12h de sommeil. Alors, merci, bon direct, brûle pas trop la gomme. Je vais tenter de me rendormir un peu dans un vrai lit. Ah oui, si t'es tout courbaturé et cassé, mon pauvre Elogir. Bon dodo à toi. A plus, bon dimanche. Ah, petite info, si t'es intéressé, dessin en fin de journée, il y a Bambastos qui va prendre son direct à 18h. Il proposera du scribe.io, une variante de Gartic Phone. Si t'as envie de dessiner, et il le fera s'il y a assez de participants. Donc je lui fais sa pub. Donc aujourd'hui à 18h chez Bambastos, il y aura du dessin. Voilà. Et j'aimerais bien qu'il y ait du monde. J'ai envie de participer, c'est rigolo. Voilà. Bref, bon dimanche, Elogir, pardon. Merci d'être passé. Bon dodo à toi. Ah oui, t'es en fricassé, malheureux. Ah là là. D'avoir dormi sur une chaise ou je sais pas quoi. Oh là là. Ouais, ouais. Eh ben, c'est cocasse votre dimanche matin, je trouve, quelque part. Ah là là, ouais, c'est la mauvaise saison, ça bouffe de l'énergie. Ouais, ma passion pour le dessin. Ah, j'ai la chance de bien m'en sortir. Mais hop, voilà, on va passer à l'épreuve suivante. Mais j'aime bien, c'est une bonne ambiance et puis on se marre à chaque fois. Ah, faut que je réenregistre mon pseudo. Ah, j'ai la paperasse administrative, c'est l'équivalent virtuel. Il faut s'enregistrer. Alors, sauvegarder partie, sauvegarder ralenti. Oui, non, je continue. Je sauvegarderai à chaque fois que j'aurai fini un pays, en fait. Comme il y a 5 épreuves par pays, ce sera l'idéal. Eh, hey, c'est des épreuves qui sont longues, je trouve. 8 km. Les plus courtes font à peine 5 km. Les plus longues font plus de 10, mais bon. Non, non, il est exigeant ce rallye là. Hein. Il est exigeant. Alors, démarrer comme ça la barre haute dès le matin. J'aurais presque dû finir par ce rallye là la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave. Attends, j'en vois un coup tant que je peux. Eh ben, je vois des choses. Oh, il pleut comme vache qui pisse. Oh là là. Au secours, maman, j'ai peur. Ah, c'est vachement dangereux. Attends, faut que j'écoute le copilote. Comment ça ouvre? Le virage s'ouvre tant que ça? Ah oui. Hop là, hop, 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 hop. Droite, dans deux gauches et trois droites.
dans 3 à gauche. Attention, tour devant. 50, 3 à droite. 50, 5 gauche. Oh là là. 50, 5 gauche. 50, 4 gauche. 50, 3 droite. Oui, Chris, tu t'es collé ton café. Dans 2 droite. 50, 5 droite. Oh mon dieu. Dans 4 gauche. Ah non, mon chrono est plus que correct. Je me trouvais un peu brouillon. 50, 3 droite. Ouais, 3 gauche. Parce qu'il y a la pluie, oui. 50, 1 droite. Dans 5 gauche. Et 4 droite. Hop, 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 hop. J'ai cru que j'allais finir dans le ravin. 50, épingle droite. Attention, ne prends pas de raccourci. Tu m'étonnes. Dans long, 4 gauche. Hop, 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 hop. Je lèche un peu trop le bord de la route, là. 50, 2, droite, serré. Dans 4, droite. 50, 3, droite. 50, 4, gauche, serré. Dans épingle gauche. Hop, hop, pas trop vite, pas trop vite. Je me suis fait peur. 50, 3, gauche. Attention, sur crête, dans 2 droite et 3 gauche. 100, 2 droite, dans épingle gauche. Ah, je ne voyais pas l'épingle aussi arriver si rapidement. Je suis dans la mouise. Merde. Attends, faut que j'aille dans le décor pour provoquer le... Ouais. Je peux pas revenir sur la piste. Oh, la boulette, merde. Oh non. Attention, tour devant. Dans 3 à gauche et 5 droite. Dans épingle gauche. Oh là, oh là là. 50, épingle droite. Dans 4 gauche, sur crête. Dans épingle gauche. Mais qu'est-ce que c'est que cette route? Oh. 50, épingle droite. Attention, ne prends pas de raccourci. Oui, oui, oui. 50, épingle gauche. Attends, la voiture a intérêt à avoir une sacrée motricité. 50, 3 droite. Vu les conditions. 50, 3 gauche. 50, 3 droite. Sur crête. Dans 2 gauche. Alors, et 1 droite. Dans 2 gauche. Le sens, le sens inverse avec la flotte, ça doit être juste mortel. Et encore là, c'est waouh. Ah oui, arrivé. J'ai un peu plus. Il est su, moulu. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est le tout premier en fait. Oui, je trouve très beau aussi. Mais enfin, moi j'aime bien mon profil, si tu veux, dans les jeux vidéo, j'aime beaucoup le contemplatif. Je peux être dans un jeu d'action, être comme un ego, m'arrêter, parce qu'il y a une texture ou il y a un tableau virtuel qui me plaît. Ça, c'est moi tout craché. Je peux complètement casser le rythme du jeu, parce qu'il y a un truc qui je me merveille devant. Mais c'est le premier d'une longue série. Pardon, oh, j'ai plus de voix. Le World Rally Championship là. C'est le 1 sur PS2 et c'est plus qu'une quadrilogie en fait. J'ai la chance d'avoir le 1, le 2, le 3, le 4 qu'on va faire ensemble. Plus le 5e sur la PS2 qui était le dernier, je crois savoir. Le spécial avec Sébastien Loeb. Donc j'ai les 5 sur la PS2 et on va les faire à la chaîne. Donc cool. Et normalement on devrait monter en classe, en gamme. Bah le WRC spécial Loeb, il paraît qu'il est réputé comme être parmi les 10 plus beaux jeux de la PS2. Donc il devrait en mettre plein la vue. Ah oui, rally, j'aime beaucoup. Ça, puis les jeux de Paris-Dakar. J'ai déjà fait, je referai prochainement le Master Rally,
qui est vraiment un truc ambiance Paris-Dakar. C'est les grandes étendues. Tu peux te paumer et ne pas savoir où faut aller. Et l'autre, c'est off-road. Hors-piste, là. Spécial Land Rover Ford. Le off-road, il est très beau. Le dernier circuit que j'ai fait, il était magnifique. Avec des cascades, un peu de végétation. Puis à un moment, il y avait un patelin troglodyte, là. Oh, c'était superbe. Vraiment superbe. 50. Et quand je vais faire de la PS3, toujours dans les jeux de rallye, j'ai sorti mon Colin McRae Dirt. Là aussi, ça va y aller en rallye. Ah, des kilomètres ensemble, on va en bouffer. Là, je vais faire des milliers de kilomètres à l'antenne. Si, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, mais les conditions météo, là, c'est la folie. Oh là là, la flotte. Hein, Liu? Ouais, c'est top. Après, beau ne veut pas dire super à jouer. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, je vous donnerai mon ressenti au fur et à mesure que je ferai les jeux. Ah, pour ceux qui étaient là hier, hier, j'ai fait deux petites heures, sachant que j'étais pas bien. J'ai fait à peine deux heures de direct, même pas. L'étrange Hyper Dimension Neptunia, c'est bizarre. Je sais pas si j'y rejouerai. Mais pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à regarder le ralenti. D'ailleurs, je balancerai mes ralentis Twitch là de ce week-end dans le courant de la semaine sur la chaîne YouTube. C'est jamais perdu avec moi, j'archive tout. Mais le jeu était bizarre. Je sais pas. Je le garde en bouche-trou, je pense, le jeu là. Si un jour je suis pas inspiré et que je suis un peu mou, comme c'est un jeu à un rythme très, très faible, on va dire. Voilà. Mais je cours pas après. Ah, faut que j'en boive, j'ai la gorge qui me gratouille. Ah, excusez-moi. Oh, l'état de la voiture. Oh, le capot était dégueulasse. Recouvert de boue. Alors, tiens, le Dirt, je l'ai téléchargé sur la Xbox. Je l'ai trouvé injouable et incompréhensible. Tout se passe en ligne et j'ai détesté. Ah ouais. Tiens. Merci pour l'info. Ah, je suis pas friand des jeux en ligne. Hein. Moi, je suis plutôt un garçon qui joue dans son coin. De nature, je suis sauvage comme mec. J'aime bien être dans ma tanière, peinard, pépouze. Vocalise le... ouais, le sage. Non, j'ai vraiment la... on va dire j'ai la tuyauterie un peu encrassée ce matin. J'ai pas assez bu. Ouais, bah ouais. Idem. Allez, la suite. Waouh, le dessin du tracé. On scoltine la côte, là. Pas possible. Bah, en plus, le problème d'un multi, c'est qu'il faut avoir, entre guillemets, le même profil que les autres joueurs pour être, entre guillemets, en harmonie. Si chacun... ça peut vite devenir le bazar. Il y a une course que j'ai faite sur PS3 avec Gran Turismo 5 ou 6. Non, ça devait être le 6. Que j'ai faite en ligne, où tout le monde était à peu près de même niveau. J'ai le ralenti, je pourrais vous le diffuser. Ça a duré 3 quarts d'heure, c'était sur le circuit autrichien de Haring. Si j'ai envie de dire, ces dernières années, c'est la seule partie multi dont je peux dire que j'étais satisfait de le vivre. Et c'est vrai que la course, elle... en plus à l'époque j'avais encore le volant pédalier, j'ai pris un de ses pieds, oh, c'était sans sas. Mais sinon, ouais, multi, c'est rarissime que j'en fasse. On verra, hein. Je vais peut-être changer avec le temps. Ou si je suis en confiance avec vous, par rapport à ma chaîne,
que je prends le temps de vous connaître et puis que je me rends compte que vous avez un profil de joueur, on va dire, compatible au mien, j'hésiterai pas effectivement à ce moment-là à faire des, à ce qu'on se fasse des parties ensemble. Donc je diffuserai donc mon point de vue sur mon canal à l'occasion. Le seul multi que je fais en ce moment, et encore je le fais encore en famille, c'est Minecraft. J'adore Minecraft. Mais en dehors de ça, je vais peut-être me concentrer parce que j'arrête pas de taper la barrière. C'est pas joli ce que je fais. Oula. J'aime bien la végétation sur le côté. C'est technique. Attention. Oh là là. Et encore là, il n'y a plus la flotte. Oula, wow, avec la descente, le freinage, il avait quasiment plus effet. Le dénivelé était trop prononcé. Oh là là, je dis plus rien, hein. Je suis concentré. 50, 3 droite, dans 4 gauche, attention, saut devant. 50, épingle droite. Oh le saut! Waouh! Comment je me suis fait avoir au freinage? 50, long, épingle gauche. 200, j'arrive à enclencher le point mort. Dans un rallye, c'est pas ce qu'il y a de plus fut-fut. Voilà. Ah ouais, il y a le début et la fin où j'étais brouillon. Le reste, je suis dans les bons chronos. Eh bien. Putain, c'est dingue comme je me sens vachement bien comparé à hier. J'ai vraiment récupéré à mort cette nuit, quoi. Wow, ça me fait vraiment bizarre. J'ai l'impression d'être un autre homme. Un peu comme The Nomad Soul de mon ami Fun Fan. Là. J'ai l'impression d'avoir changé de corps. J'ai retrouvé ma jeunesse. Ah non, hier j'étais une loque, c'était horrible.
J'étais complètement pâteau. Eh bien. Ah, il y a un effet un petit peu brouillard. Attends, je vais m'asseoir différemment le temps du ralenti. Ah. Oh, relaxation. Tiens, je vais tenter mon propre jeu de la pêche. Ça fait longtemps. Oh, j'ai perdu. Pas de chance. Oh. Oui, on voit le brouillard là avec la profondeur. Que j'entends faire un bruit de... Ah, c'est le jeu. Je me demandais si c'était pas la ventilation de la console. Et B. Ah, c'est bizarre, les mystères de Twitch. Donc, je sais que t'es là actuellement. On voit d'ailleurs le compteur avec le 1. T'es mon seul spectateur, mon cher Chris. Mais j'ai un logiciel qui s'appelle Chatty qui me permet de capturer en fait le chat sur mon écran secondaire. Et il me fait la liste des utilisateurs connectés en temps réel. Et là, vous êtes plus que un en théorie. C'est-à-dire que là, en dehors de mon robot et de moi, j'ai trois personnes avec des pseudos énigmatiques qui sont soi-disant connectées à ma chaîne. Et ça doit être un bug de Twitch. Il doit y avoir ce que j'appelle moi des fantômes qui errent, c'est ce qu'elle le dire, sur les chaînes, même quand elles ne sont pas en ligne. Et ça fausse les statistiques, j'ai l'impression que c'est bizarre. Ça m'a toujours intrigué, Twitch, depuis que j'ai ma propre chaîne. Et puis que je suis modérateur chez FunFan, je l'avais observé à ce moment-là aussi. Bizarre. Oui, t'as perdu. Si t'as un gros pavé de texte, ça veut dire que t'as perdu à la pêche. Bah les robots, ouais, je sais pas. Les robots par convention, alors c'est pas une obligation, mais par convention ils sont censés avoir le terme BOT pour bot, robot. Mais il faut pas exclure non plus un bug de la programmation de Twitch, la plateforme. C'est peut-être le résultat d'un bug, sans déconner. C'est possible. Bah, ça gêne pas plus que ça. Hein. Moi, le plus emmerdant que j'ai eu, c'était la semaine dernière. J'ai eu un compte qui m'a suivi. C'était de la pub déguisée. Twitch a supprimé le compte depuis. J'ai eu l'info. C'était acheter des Fiat Multipla. Enfin bon, bref. Bah, je préfère encore une pub qu'un truc vachement injurieux ou salace qui serait contraire à la morale et le bon goût. Ça va, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été épargné. Mais bon. J'ai envie de dire, arrivera un jour. Ce sont les dangers de l'internet. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau avec le soleil. Oh, la classe. Si, ça existe, mon pauvre Chris. Et si, là, c'était carrément un compte publicitaire, quoi. Acheter les Fiat Multipla, c'était... Enfin, bref. Non, en fait, il y a eu... Alors, est-ce que l'époque, entre guillemets, révolue est... Mais bon, techniquement, malheureusement, ça peut toujours se reproduire. J'ai déjà vu chez des chaînes, des copains, il y en a qui aiment prendre des pseudonymes et phonétiquement, quand tu les annonces, il faut faire gaffe. Il faut d'abord lire une fois dans sa tête avant de lire de vive voix pour pas faire une ânerie. Parce que phonétiquement, ils te forcent à dire des... Enfin, ils te forcent. Par ruse, ils te font dire des horreurs. Et
le dernier en date, c'était quasiment un propos d'un révisionniste, en fait. Tu fais pas gaffe, t'annonces. Voilà, on est d'accord. Bah, on a peut-être le même exemple, en plus. Parce que lui aussi, je me souviens, à Hero, lui arrivait un mauvais truc. Mais c'est pas le seul chez qui j'ai vu le phénomène. Et c'est terrible, quoi. Parce qu'après, tu peux te faire ban temporairement en tant qu'émetteur. Tu te fais dénoncer par le troublion qui t'a eu en disant je signale la chaîne et puis bah pour te défendre vas-y quoi. Généralement t'es cop de 3 jours d'interdiction d'émission. Ouais, ouais. Ah là là. Alors moi ça me causerait pas trop problème puisque je diffuse que le week-end. Je diffuse le samedi dimanche et c'est tout. En semaine j'aurai jamais le temps. Je crois que j'aurai même pas la force. En fin de journée je serai trop crevé. Alors, concentration. Oui, oui, c'est pervers. Oui, non, mais bon, voilà. Faut tout pour faire un monde, hein, même des vilains. Ouah, c'est bon, on voit le tracé au loin. Oh! Je fais n'importe quoi. Tiens, si je peux te demander, Chris, dans ton calendrier perso, là, surtout qu'on approche en plus des fêtes, est-ce que tu t'es posé un jour où tu pensais mettre depuis ta chaîne en train de composer? Parce que je serais curieux de t'observer en direct en train de composer une œuvre. Enfin, si t'as une date, hein, s'il te plaît. Oula, 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 faut pas que je prenne trop l'intérieur. Oh, c'est beau au loin. Je sais pas si c'était un château ou un bois, un groupement d'arbres. Mais au loin, ça faisait classe dans le paysage. Je l'ai vu d'un coup d'œil. Faudrait que je remette au ralenti si on aura le même plan de caméra. Quasiment là où il y avait le soleil. C'était trop stylé. Ça donnait de la profondeur au champ. C'était vraiment bien. Ah oui, un peu de clipping. En musique. Allez, Zou, oui, ralenti. Ça va me permettre de boire un coup. Ah, le dimanche soir, le mardi soir et jeudi soir. Mais je suis assez... c'est pour ça que je... D'accord. Oui, je te comprends, Chris. Moi aussi, quand je compose, c'est il faut avoir l'envie et l'inspiration le moment venu. Ouais, ouais, c'est un peu comme un truc que tu chopes au vol, en fait. Ouais, ouais, je comprends parfaitement. Ok, merci de ta réponse.
Du coup, comme je vais garder ton message, ça va me faire un mémo. Je saurai à peu près à quel moment je peux avoir la chance de te voir en direct. Non, le pire, alors je sais pas si toi tu subis ça en composition. Alors je pense qu'on va se comprendre en tant qu'artiste. C'est le pire, c'est la frustration intellectuelle. T'as une idée précise en tête de ce que tu veux composer, mais tu ne maîtrises pas tes outils. C'est-à-dire que t'arrives pas à matérialiser la partition que t'as en tête, t'arrives pas à la concrétiser. Ça, c'est rageant. Ça m'est déjà arrivé 5-6 fois et je compose depuis 20 ans. Mais c'est terrible. Quand tu arrives pas à te saisir de ton outil, que t'arrives pas à mettre en réalité ce que t'as en tête, c'est terrible. Alors, quoi que moi, c'est de la techno. Alors, on peut pas dire que je me base sur les notions de solfège. La techno, c'est autre chose. Tu penses en fréquence sonore. Tu penses pas en notes. Enfin, c'est des fréquences sonores aussi, les notes. Mais je sais pas comment dire. Moi, j'ai envie de te répondre que j'évolue en monde ouvert. Alors que c'est fermé, le solfège. Bon, t'as les variantes de dièse et bémol. Mais... ça part en roue libre. Enfin bon, ça fait partie des frustrations et à l'inverse des joies des compositeurs et des artistes. Et j'avais bien aimé ce que tu faisais en rock. Chez Anthony, t'avais eu la gentillesse de me passer ton site, le lien. Et puis j'avais écouté 2-3 œuvres. Franchement, tu m'avais botté. Hein. C'était très agréable à écouter. Tiens, c'est marrant. Mon compteur qui me dit qu'on est deux maintenant. C'est rigolo. Non mais je t'en prie. Oh là là, ça me fait penser à une époque, j'aimais bien aller sur un site qui n'existe plus aujourd'hui, qui était Dogmazic. Et c'était un annuaire de dépôt de musique libre de droit, ce qui est mon cas. Hein. Moi, vous pouvez télécharger mes œuvres gratos, c'est juste pour le plaisir. Et j'aimais écouter dans le genre techno musique électronique, j'écoutais les œuvres de tous les artistes libres de ce site-là. Et j'avais passé un été entier à faire tout le répertoire. C'était vachement bien, il y avait des centaines d'œuvres, il y en avait des excellentes. Moi, je m'inclinais, franchement, c'était une qualité pro. Et d'ailleurs, je me suis fait 2-3 compiles sur CD que je me suis gardé et que j'écoute de temps en temps parce que c'était remarquable en qualité sonore. Et par contre, il y en a une, j'avais la frustration de la personne qui l'a composée. L'œuvre était très originale, ça me faisait penser à Dreams de Quench, je crois le nom du groupe. Enfin bref, la techno. L'originalité de ce titre, c'était composé à partir de sons de cloches, des cloches d'église. La compo aurait pu être parfaite, à une exception qui était terrible. Le son saturait. Ah, c'était dommage d'avoir la saturation dans le son des cloches, sans quoi le titre était parfait. Et ça m'a marqué. Je disais, mince, pourquoi on est passé si proche du chef-d'œuvre et que la personne qui a généré le titre a merdé un truc tout con qui est la saturation des sons. Ça grésillait. Ah, c'était con. Enfin, pardon, c'est un souvenir, je vous donne spontanément. Mais, c'est... On a frôlé le chef-d'œuvre. Enfin bon, bref. C'était Dogmazic, un site qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Hein. Comme pas mal de réservations de nom de domaine et de serveurs, y a un coût de location. Et les dons ne suffisaient plus. Et puis, malheureusement, le site est mort de sa belle mort. Mais c'est une belle perte, hein, c'est dommage. Oh là, de nuit, c'est la mort, là. Oh là là. Oh là là, je stresse. Je vais bien écouter mon copilote. Je dis plus rien. Sur crête, 5, 3, 3.
Attends, je vous lirai avec plaisir au ralenti. Non! Mais non! Mais non, mais j'ai merdé mon saut, mon freinage. Oh là là! Ah, le mur en pierre est magnifique. J'aime bien les textures. Attention. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, 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 là. J'ai eu beaucoup de mal à négocier le la montée en lacet. Waouh, cette configuration de fou. Waouh, j'ai cru que j'allais me précipiter dans le vide. Oh là, elle m'a l'air interminable cette épreuve. C'est stressant. Ouais, je lis plus la route là. J'arrivais trop vite. Oh là. Ah, soulagement, délivrance. Oh, presque 4 minutes 30. Adieu. Ah. Eh bien. Alors c'est comme ça, je reprends le titre et je le remixe. Ah. Yeah. Oui, c'est une alternative valable, en effet. 50. Mais c'est marrant, d'ailleurs, parce que je reviens sur mon anecdote de Dogmazic quand j'écoutais ton répertoire et que j'écrivais, en fait, les critiques aux intéressés en disant, ouais, ton morceau, il est bien, oh, t'aurais pu faire ci, faire ça. Et il y en a quelques-uns dans l'eau, alors dans le... peut-être pas dans le millier, mais dans la... plusieurs centaines que j'ai faites, j'ai eu une dizaine de réponses. Il y en a un, d'ailleurs, j'ai eu un échange assez long, parce qu'il appréciait. J'avais deviné que son titre lui avait été inspiré après un voyage en Inde. Et il était surpris. Mais comment t'as deviné ? J'ai dit, mais t'as réussi à le retranscrire dans ton œuvre.
de manière sonore, je devinais l'atmosphère au niveau de l'Inde. Et oh là là, j'ai eu des échanges délicieux, j'exagère, mais j'ai eu des échanges très intéressants et de passionnés sur la compo musicale. Et c'est un bel été. Je suis ravi d'avoir eu cette activité là. Là aussi, c'est une expérience à vivre. Et c'est vraiment dommage que le site n'existe plus. Est-ce qu'il y a peut-être un site alternatif qui est né entre temps? Je sais pas. J'ai pas cherché. Mais ça aurait vraiment le mérite d'exister. Un annuaire international de la musique libre, ce serait bien. Faudrait que je regarde un petit peu dans ce sens dans les prochains jours. Pas mal, on est sur PS2, j'aime bien la gestion de la lumière au niveau des phares de nuit. On s'y croirait. On s'y croirait. Et B. Ouais. Le plus beau des compliments, ouais. Quand tu fais un titre, que le gars qui t'écoute te dise ce qu'il a ressenti et que ça correspond exactement à ce que tu voulais faire ressentir. Ouais, alors là, c'est carton plein. C'est ça. C'est ça, Chris. Ouais. Oula, j'ai la voisine qui sort de son garage. Ça fait un boucan. J'ai entendu un jbam. Oh la vache, on voit le. Avec les phares, la vue là, elle est marrante. Là, ça part dans tous les sens. Eh bé. Ah, on est relax. Je sais plus. Ah oui, j'allais dire, j'ai mis 5 minutes. Non, quand même pas. Je vois le chrono défiler. Alors, il va falloir que je sauvegarde là par contre. Parce que j'ai fini le rallye de San Remo. J'ai fait les 5 épreuves. Alors là, il sauvegarde les temps. Mais il ne sauvegarde pas ma progression. Et je m'étais fait avoir le premier week-end. Ce qui fait que le week-end suivant, j'avais repris mon championnat depuis le début. Aïe. Voilà, là j'écrase le. Ouais. Ça y est, San Remo, c'est derrière moi. Ouf. Alors, on va où pour la suite? Ah, on va faire l'Italie. Mais non, je suis bête, c'était San Remo. Donc j'ai gagné, clac clac clac. La suite c'est quoi? Europe? Ah! On est chez nous, en Corse. On dit du Tour de Corse que la seule ligne droite d'asphalte.
impact sur l'île est la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Ajaccio. Et vous pouvez certainement le croire en conduisant sur les routes venteuses et flanquées de vertigineux abîmes qui traversent l'île méditerranéenne. Beau. Sur papier, la course est courte et se déroule entièrement sur asphalte. Mais la surface de route est grossière et bosselée, sans oublier ses pentes montagneuses. Le mot qui vient à l'esprit en Corse, c'est « impardonnable », non sans raison. Ouais, c'est le rallye que je redoute, celui de Corse. C'est là où je mange mon pain noir. Oh là 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 là, c'est la matinée du masochisme là. J'enchaîne toutes les épreuves que je redoute. Aïe aïe aïe, heureusement que j'ai bien dormi cette nuit. Ça, j'aurais pas pu vous le faire hier. Waouh. Allez, on y croit. Concentration. Ah là 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 là. Tiens, je trouve qu'elle met un temps de chargement plus long que d'habitude. 3, 2, 1. C'est parti, mon kiki. Voilà, il y a déjà du peuple sur les bords. Ah, tu me diras, c'était le départ. Duel. Oula, je me déborde. Wow, vertigineux là, ça commence à... Ça commence à faire ravin. Ah bonjour Twinsen, je viens de voir d'un coup d'œil que tu viens d'arriver. Tiens, je suis surpris de l'heure Twinsen, j'espère que tu vas bien. Généralement, tu vers les 11h, tu pars faire tes courses le dimanche matin. Dans tes habitudes. Ou alors tu passes juste faire un coucou avant d'y aller. Ou alors tu as changé ton agenda pour la semaine. Bah, je te taquine, tu le sais, mais j'espère que tu vas bien en ce dimanche matin. Oh là 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 là. Bon, bah je m'en sors plutôt bien, je trouve. Oui, je veux pas me plaindre. Oui, il va falloir passer la voiture au Karcher. Ouais, elle est dégueu. Hein. Elle prend cher, la tuture. Bah, c'était... Alors, quoi que là, elle est rouge, la Xara.
Mais quand j'avais commencé le championnat et que j'avais oublié de sauvegarder le week-end, j'avais commencé avec une Subaru Impreza, donc la belle voiture bleue. Et au début, je sais plus, à un moment, je crois que je suis allé jusqu'à l'Afrique ou un pays où c'est vachement. Il y a beaucoup de poussière et de gravier. Elle était passée du bleu au marron clair. Et on aurait dit que l'arrière de la voiture, tu voyais plus la vitre arrière. On aurait dit qu'elle était faite de glaise, en fait, la bagnole. C'était impressionnant. Ah, enfin une prise. Bien joué, Chris. T'as remonté un brème du Danube. Eh ben, la première réplique positive du jeu de pêche de la journée. Eh ben. Ouh, je m'ai tiré. Ah, besoin de me dégourdir. Excusez-moi du peu. Oh, ouais, que j'ai pas fait d'échauffement depuis mon réveil. Ouais, cool, je savais pas quoi manger pour midi. Ouais, ouais, bah j'ai enregistré les poissons d'eau douce de France. Alors, il y a même, merci Wikipédia, hein, il y a même ceux qui sont malheureusement aujourd'hui disparus, les espèces qui sont plus d'actualité. Mais j'avais pris le tableau en fait des poissons des cours d'eau français et j'ai injecté ça dans le jeu de pêche. Ça fait une centaine de répliques gagnantes et vous avez à peu près le même nombre de répliques perdantes. Je suis amusé à vous romancer des trucs et parfois du vécu quand j'ai la chance de faire un peu de pêche avec la famille. De temps en temps, je me fais 2-3 week-ends de pêche l'été. Et j'ai une connaissance qui a une location au bord d'un étang en Lorraine. Et parfois, je mets des anecdotes de vrai vécu. Quoi. Tu loupes ta prise parce que tu es emmerdé par une guêpe, ou t'as les corbeaux qui foutent le bordel sur l'étang et ça fait fuir le poisson. Wally Walou, vous savez tout. Ah, ça y est arrivé. Allez, zoom, on passe à la suite. Cette borne, hein, ça va. Je pense que c'est tracé assez vite. Tiens, d'ailleurs, en parlant de midi, je sais pas ce que je vais me mettre sous la dent ce midi. Alors, super la pêche, je connais pas en eau douce. Je connais que la mer. Ah, originaire de Méditerranée oblige. Ah, intéressant ça. La pêche côtière, ouais. Ah, ça doit être particulier. T'es arrivé en course avec les bruits de ma course. Ah bah bonne course à toi, Tunsen, à tout à l'heure. Oula, ça commence fort. Dans 3 droite, dans
Oula, 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 oula. 50, 3 à gauche. Dans 2 droite et 3 à gauche. 50, épingle gauche. 50, 2 droite. 50, 3 droite. Serré. Dans épingle droite. 50, sur crête. Oh là là! Le dénivelé est impressionnant. Et encore là, je trouve que cette édition du rallye de Corse est moins sévère que les autres. Parce qu'on peut quand même déborder par endroits. Aurais-je été traumatisé par Verali? C'est possible. Et B. Oh, il n'y a que le milieu que j'ai merdé, mais bon. 3, 2, 1. Ah, je suis content de faire un bon chrono. Je le rappelle, je joue en facile. Je me prends pas la tête. On n'est pas là pour ça. Pas que je boive le fond, j'ai du marre de café, Burke. Ça, c'est pas agréable. Dans 3 à gauche et 3 à droite, sur crête. Eh bé. Ouah, je vais me détendre les jambes. Ah, oh, j'ai du bien. Ah là 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 là. Ah, petit coucou rapide. Bonjour Romanus Caiutus. J'espère que tu vas bien. Alors je te mets tout de suite dans la confidence, si je puis dire. Le dodo de cette nuit, 11h. En gros, j'ai fait 22h, 9h du matin. C'est que j'avais besoin de récupérer. J'étais pas loin de faire le tour du cadran. Et là, heureusement, je me sens bien, là. Je suis un autre homme, ce matin. Oui, 11 heures de sommeil, ouais. Ouais, ouais. Ah non, mais hier, franchement, j'étais claqué mort. Je me suis déclaré en état grippal parce que j'étais pas bien. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un petit direct hier matin de 2 heures à peine. Non, mon organisme était claqué. Voilà. En plus, j'ai dû prendre bêtement froid. Enfin, bref. Et j'ai peut-être mangé un truc qu'il fallait pas, enfin bref, je suis plus assez prêt. Mais non, là je suis bien là. Là je sais que je vais passer la journée en votre compagnie cet après-midi, je rappelle, on fait Duke Nukem aux Caraïbes. Et non, là je vais pas bouder mon plaisir. Aujourd'hui ça va être vraiment détente et j'ai bien récupéré.
Non, non, 11 heures de sommeil. La dernière fois que j'ai fait un tel quota de... d'heures de sommeil en une nuit, ça remonte à... peut-être l'hiver dernier, en fait. C'est possible. J'avais besoin de recharger les batteries. 50, 4, 3, 3 à gauche. Et long 4. Ah là 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 là. Ouh, ça me démange. Démangeaison tibia. En profiter pour remettre mes chaussettes du coup. Hop là. Je profite du ralenti. Au. Voilà. Ouais, la bagnole est bien crade. Hop là, on va faire la suite. Alors, on voit que le compteur est approximatif parce que... Non, c'est l'autre, c'est là. Parce qu'il déclare une personne, mais je sais que vous êtes au moins 3 spectateurs actifs. C'est vraiment approximatif le truc, c'est assez gadget. C'est intéressant d'observer ça aussi. Oula! Oh, le tracé! Concentration. J'aime bien les musiques dernières, c'est très techno minimaliste. Oui, bah c'est mes compos, figure-toi. C'est pour ça que j'ai pas de soucis à les diffuser et qu'elles sont libres de droit. Je vais pas me faire attaquer avec le DMCA américain là, ni même par la SACEM. C'est... Alors il y a des compos que j'ai publiés et dans l'eau il y a comme là l'ambiance 2. C'est que j'ai pas mis un titre développé. C'est un brouillon si tu veux que j'ai pas publié officiellement, mais ça s'écoute. Voilà. Oui, c'est cool. En fait, quand tu diffuses sur Twitch et savoir que t'as ton propre répertoire que tu peux diffuser, c'est un gros avantage. Oh, il pleut comme vache qui pisse. Point d'exclamation psycho, mon pseudo. Ou je te le fais après le ralenti si tu veux. T'auras l'adresse. Ouais, c'est ça. Bien joué. Merde. Moi, c'est mal joué. J'ai regardé. Mince, j'aurais pas dû regarder le chat. Oh, ça va, je m'en sors bien. Heureusement qu'il y avait une... De quoi faire une jonction avec la route. Bien fait pour ma tronche. Mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est bien, ouais, t'as saisi la bonne commande. D'ailleurs, ça me fait penser mon site perso. Je suis loin d'avoir mis tous les titres publiables. Et prochainement, il faudra que je remette à jour, il faudra que je remette mon pif dedans. Le temps d'une journée. Parce qu'honnêtement, il devrait y avoir beaucoup plus de titres d'accessibles en fait. J'ai pas mal d'inédits que j'ai pas publiés et qui méritent de l'être en fait. Faudra que je fasse ça à l'occasion. Je me disais bien que ma trajectoire était pas bonne. Oula, 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 oula. Là, comment la voiture s'est mise à patiner? Tu parles que j'ai 16 secondes de retard? C'est une catastrophe là. Dans 1 droite, 50, épingle gauche. Attention, sur crête.
Oh! Je viens de te lire, cousin. Oh merde! Les plombs qui ont sauté dans ta boutique. Attends, c'est bizarre que les... Ah, t'avais laissé le chauffage, je crois que t'avais dit. Ah, bizarre ton histoire de... Mais pourquoi ça rame à mort? C'est la première fois que je vois ma PlayStation me faire ça. Ouais, c'est une piste, ouais. Ouais, ouais. Peut-être le chauffage qu'on a trop demandé et puis ça a lâché. Non, ce qu'il faut espérer, c'est que t'aies pas le problème d'infiltration que t'avais eu avec la flotte, avec le locataire du dessus. Ah oui, oui, c'est le fait que ton serveur est pas... Ouais, Thanas n'est pas répondu, ça t'a mis la puce à l'oreille, ouais. Ouais, je te lis rapidement d'un coup d'œil, ce qui fait que je pilote super mal. Le truc à pas faire. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est top ton site. Oui, merci Chris. Ah, je mets rarement les mains dans le cambouis. Je l'entretiens pas mon site perso, c'est pas bien. Mais je suis ravi que ça te plaise. Oh, je merdais mon freinage. C'est juste que j'oublie qu'il pleut. Et que les distances de freinage sont pas les mêmes. Ah, il est déjà 11h. Oh mon dieu. Le temps passe vite. Oui, arrivé. Oh là, là j'ai mangé mon pain noir, hein, on peut le dire. J'ai quasiment tout dans le rouge. Oh là, je suis troisième. Adieu. Alors, c'est top ton site, t'as l'air de bien maîtriser l'informatique. Ah, au fait, il pleut. Ouais, ouais, ouais. Non, ça a allongé les distances de freinage. Oui, pour ce qui est de l'informatique, c'est ma casquette professionnelle principale. J'ai un diplôme de technicien informatique spécialisé dans les réseaux. Voilà le comment du pourquoi. Mais je suis reconnu polyvalent. Je suis assez touche à tout. Donc j'arrive à être à peu près moyen dans à peu près tout ce que je touche. Ce qui est un grand avantage. Wally Wallou. Bah, mon site perso d'artiste, en fait j'ai commencé à composer en 99. Ça me rajeunit pas. Mais je crois que j'avais déjà ouvert mon site à l'époque, ou à l'an 2000, que j'avais créé ma page. J'étais étudiant à l'époque. J'étais même pas étudiant. Je dis des âneries, j'avais pas encore le bac en poche. Le bac, je l'ai eu quand j'ai eu 20 ans, donc c'était en 2002, sachant que je suis né en 82. Au niveau de ma biographie. Ouais, c'est en 2000 que j'ai dû ouvrir ma page perso, mon site perso. Qui d'ailleurs aujourd'hui n'a quasiment rien à voir avec la toute première version. je me suis amusé à expérimenter différents trucs. Et puis en même temps, il y avait l'informatique qui avait évolué. Donc j'avais d'autres services à proposer sur mon site entre temps. Il y a eu une époque où j'ai eu mon forum et mon... J'avais quoi ? J'avais un forum... Le PHP Bibi qui doit encore exister, un truc clé en main qui est libre de droit, on peut télécharger, installer et adapter à sa guise en fonction de son site, un truc bien fichu quoi. Et j'avais quoi d'autre? J'avais fait je sais plus quoi. Il y avait quelque chose que j'avais programmé de toute pièce. J'étais vraiment parti d'une feuille blanche en programmation PHP. Donc PHP c'est le langage dynamique. C'est pour faire des sites programmés bien vivants sur Internet, là. Avec des formulaires et tout et tout. J'avais fait quoi? J'avais fait un blog, je crois. Oui, c'était un blog que j'avais fait à l'époque. Mais voilà, voilà. Mais entre-temps, j'ai viré parce que
il n'y avait pas grand monde qui passait sur mon site et puis j'entretiens pas, donc d'ailleurs à un moment je m'étais fait pirater par des Russes qui balançaient des références de matériel d'agriculture, enfin bref. J'ai fini par tout fermer, tout virer, et puis j'ai laissé en dur juste l'accès aux photos et à mes œuvres à télécharger, et basta quoi. Ça demande pas d'entretien. Alors pardon, je vous lis. Yes, j'ai commencé la musique assistée par ordinateur quasiment à la même époque. Ah, c'est cool. C'est bizarre, ils mettent les sons des dérapages alors que c'est la vue depuis l'hélicoptère. Il y a quelque chose d'un peu psychédélique. On devrait quand même entendre la motorisation, mais bon. Oula ! Alors la question qui tue, sur quoi j'ai composé ? Wouh ! Ça mériterait presque que je fasse une commande d'ailleurs. Je vais te taper les noms en fait et j'ai jonglé sur plusieurs logiciels de compo. Alors déjà, les retouches son, c'est-à-dire les samples en eux-mêmes, j'utilise Audacity. Alors sinon la compo en dur, on va dire. Alors il y a les toute la comment dire l'eau de logiciels. Il y en a plusieurs, hein. Il y a je dois avoir des trucs dans le jar là, je sais plus ce que j'ai. Je dois avoir le Technocat. Attends, je t'écris la liste. J'avais quoi d'autre? J'en avais un excellent sous XP qui marche plus. Sous XP, j'avais ProDJ. Il était génial. Et j'ai pas fait beaucoup de compos avec, manque de bol. J'ai pas eu le temps de l'exploiter, il était excellent. J'ai fait quoi? Attendez, on va passer dans les menus. J'ai fait quoi? Oh, il y en a plusieurs des logiciels de compo que j'ai utilisés. J'avais les autres, j'avais Music Techno Maker. Ça va être. C'était basé sur un logiciel allemand. C'était quel éditeur? Alors, je sais plus de tête. C'était pas micro application. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je fais travailler ma mémoire, je sais plus. Oh, je sais plus. Sinon, en libre et toujours d'actualité, il y a LMMS que je vous invite à télécharger qui est vachement bien. En gros, c'est ça. Voilà, pour répondre à ta question, c'était mon gros panel de logiciels. T'as l'impression que j'ai utilisé du matos sans dur? Non, j'ai pas utilisé de matos sans dur, pas hardware, non. J'ai même pas utilisé de clavier MIDI, tu sais, qu'on branche à l'ordi et tu synchronises avec ton logiciel, et même pas. Sinon, je composais au clavier. Mais c'est rare que je fasse à chaud au clavier. Généralement, je prends le temps de prendre ma grille comme une partition. Et à la milliseconde près, je dis quelle note ou quelle fréquence sonore, comme j'expliquais tout à l'heure, je souhaitais jouer. Voilà, quitte d'ailleurs à appliquer des effets. Pardon, je vais zapper les trucs. Oui, c'est une série qui est bien pensée, hein, les Ravid Jay. Il y a eu plusieurs déclinaisons. D'ailleurs, j'ai réussi un coup de maître il y a quelques mois de ça. J'ai pensé à farfouiller sur internet à me dire, tiens, est-ce qu'il y a en vente, qu'on appelle ça, en déstockage pas cher, les DVD ou Blu-ray qui vendaient de banques de sons qui parfois coûtent cher. Il y en a certains, j'ai payé le Blu-ray 50€. Bon, voilà, c'est un budget hein, pour avoir une banque de sons libre de droit. Et là, j'ai trouvé pour, je sais plus, j'avais trouvé pour 40€. J'avais trouvé toute une collection sur internet de Ravid Jay, le 4, le 5, je sais plus quoi, plus des banques de sons derrière. J'ai fait le casse du siècle, quoi. Pour même pas 50€, j'avais plus de 10 000 sons. Bonjour, Fun Fan, j'espère que tu vas bien.
Bref, j'ai réussi un coup de maître, quoi. Donc ça complète ma collection et ça m'encourage d'ailleurs à faire d'autres compositions actuellement. Et là, je suis en voie pour sortir un quatrième album. Je vais pas tarder à sortir un quatrième album, je suis très content. Ouais, c'est bien, ça va, Fun Fad, c'est cool. Alors, attention, concentration. Mince, j'ai repris mon clavier sur les genoux, c'est pas grave. Oula, oula, il y a un contraste, j'ai du mal à lire la route. C'est très ombragé. Oula, accidentogène ça. Wouh, j'ai failli me péter la bordure. Le mur en parpaing, j'ai failli me manger la tranche. Faut vraiment que je fasse gaffe. J'ai merdé le freinage. Wow. Oh là là. Je fais de la merde. C'est un cauchemar. Ah oui, le saut était ouais, sur la crête. Oui, merci d'avoir pris le temps d'écrire. Je lirai à l'arrivée au ralenti avec grand plaisir. J'ai vu qu'il y a un pavé qui est tombé dans le chat. Oula. C'est pas l'arrivée. Ouah, c'est dur. Oula. Ah, là je souffle un peu, je vois la route au loin. 150, attention la crête, je vais freiner. Non, je l'ai loupé. Mais c'est horrible. Ça pardonne aucune erreur. Emoticon souriant, FunFan 1992 dit ceci, Olive-Bas-qui-battu est arrivé et bienvenue. Bonjour Olive. Oui, très bon usage de la commande FunFan, merci. Bonjour Olive, j'espère que tu vas bien. Tiens, je suis surpris, on est dimanche matin, il est 11h, tu diffuses pas? Oh, ça veut dire c'est que t'étais crevé de ta journée, Olive. Si tu diffuses pas maintenant et que tu viens me dire bonjour, à cette heure-ci, c'est que tu devais être KO de ta journée d'hier. Et B. Alors, attends, faut que je vous relise avant.
Tu dois être en super forme vu qu'on n'a pas fait de direct hier soir. Oui, bah j'ai récupéré 11 heures de sommeil cette nuit. J'étais claqué mort. J'ai dormi de 22h à 9h du matin, là. Mais je suis bien, ça y est, je suis cool. J'avais besoin de recharger les batteries, en fait. Alors, Chris, bon, je vais aller me faire WRC en vrai. Il faut que j'aille remettre du sans-plomb 95. Ah, merde, faire tes courses. Merci pour le direct et bonne continuation. Bon dimanche et bon stream, no chat. Merci, Chris. Bon dimanche à toi. Bon courage pour tes manœuvres du jour. Merci d'être passé. Un grand plaisir d'avoir pu échanger avec toi ce matin. Bonne continuation. Et cet après-midi, si t'as du temps libre, voilà, sache que je fais Duke Nukem, comme t'aimes bien Duke Nukem. En gros, de 14h à 18h, ça va être Duke Nukem aux Caraïbes sur mon antenne. Voilà. Pour le programme. Bah, ça va mieux, ma chère Olive. J'espère que toi, tu vas bien. Voilà, j'expliquais, hein, j'ai fait un gros dodo cette nuit, j'étais claqué. J'ai presque fait le tour du cadran. Donc là, oui, merci, je suis bien. Tac. Alors je relis le chat, ce que j'ai loupé. Tac. Oui, t'es méga KO. Et le dos en compote, Olive. Ah mince. Aïe. Bon bah relaxe-toi. Fais-toi ton chocolat chaud habituel du dimanche. Et puis relaxe-toi. Ah là là. Ouais, puis il y a la saison hein, qui veut ça. C'est la saison des rhumatismes et des courbatures avec l'humidité et le froid, ça. C'est une épreuve pour les organismes. D'ailleurs, moi, il faut que je boive un coup. Ah. Tiens, que je me fasse une idée, je sais même plus depuis combien de minutes je suis à l'antenne, moi. J'ai pris à 9h30, je crois. Ouais, ça fait déjà 90 minutes que je diffuse. Ouais, t'es même pas certaine de prendre ton antenne tellement que t'es claqué. Ah, pardon. J'ai un cheveu ou je sais pas quoi sur la langue. Ah, ben... Voilà, merci. Heureusement que j'ai un mouchoir. Excusez-moi. Ouais, bah oui. T'es tellement fatigué, éprouvé qu'il faut que tu récupères. Et malgré que t'aurais l'envie de diffuser, t'en aurais pas forcément la force. Ah, c'est frustrant, hein, ça. Ah là là. Eh ben. Bah, j'ai envie de dire, dans l'idée, enfin ça dépend de ton ressenti, Olive. Mais déjà, pour ta pause déjeuner de ce dimanche, n'hésite pas à te faire plaisir et à manger quelque chose de consistant, que t'aies du carburant dans la chaudière, comme j'aime bien le dire. Au moins, tu vas emmagasiner de l'énergie, des forces pour la semaine à venir. Faut vraiment pas négliger ça. Alors là, comparé à hier, sans déconner, je suis un autre homme. Oh le gadin. Là, j'étais vraiment claqué hier. Je suis bien content d'être sorti de mon état grippal et de me sentir bien aujourd'hui. Eh bien, 4 minutes déjà d'épreuve. Oh non, la Corse, j'en bave de la Corse. Ça y est, arrivé. Ouais, très frustrant, surtout que la semaine prochaine va être chargée niveau taf. Dur. Ouais, bah Olive ne néglige rien. Ah oui, non, moi j'étais ravi de pouvoir me reposer. Bah, comme me faisait la remarque FunFan tout à l'heure. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu de modération à faire hier soir. J'ai pu m'endormir vers 22h, me coucher tôt. À 21h, j'étais au lit. Et ça m'a sauvé. Sans quoi, sans déconner, j'aurais été encore décalé. Et je ne serais pas en train d'émettre à l'heure actuelle, quoi. Je serais sûrement encore en train de dormir, là. Si ça avait été le cas. Non, j'étais claqué mort. Ah, dernière épreuve de Corse. Courage.
J'aurais fini de manger mon pain noir. La dernière de Corse, on y croit. Alors, je sais qu'à midi, je vais me mettre du taboulé, salade, maïs, petit cube de poulet, miam. Je vais manger ça à partir de 13h. Par contre, je mangerai quand même quelque chose de chaud. Mais je sais pas ce que je vais me mettre dans la gamelle, moi. Oh, j'improviserai tout à l'heure, là. Quitte à m'ouvrir une boîte de petits pois ou je sais pas quoi. Miam. J'ai très envie de manger des légumes aujourd'hui. On peut remercier Dilocine. Oui, bah merci Dilocine. Oh, de nuit, quelle horreur. Oh là là, c'est la somme de tous mes cauchemars en rallye, là. Pardon, vous aurez compris, je suis concentré, je dis plus rien. Je reviens vers vous après l'épreuve. Ouais, j'ai cru que c'était plus prononcé. 50, 3 à droite. Dans 3 à gauche. Ah, je suis très brouillon. Je suis très brouillon. Dans long de gauche. 50 de droite. Dans long de gauche. Dans très long épingle gauche. 50, de gauche. 50, 3 droite. Dans long, 4 gauche. Serré. 50, long, 4 droite. Dans long, 4 gauche. Dans 3 à gauche, 50, 4, droite, 50, de gauche, dans 3 droite, arrivé. Wouh, fini la Corse. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre pauvre chef. M'a foutu les jetons. Alors attendez que je vous lise. Déjà je vais lancer le ralenti. Attendez. 3, 2, 1, vas-y. Alors, que je vous lise. On en était où, je sais plus. 50, de gauche. Tac, 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 tac. T'as bien fait de te reposer. On peut remercier Dilocine, oui. Ah, épinard haché avec crème. Épinard, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'adore ça. Oh, j'ai peut-être une boîte d'épinards, tiens, tu me fais penser. Lardons, champignons, oignons, de l'ail, beaucoup d'ail pour ce midi. C'est bien, c'est un antioxydant l'ail.
Ouais, bon appétit à toi, Olive. Tac, 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 tac. Moi, je viens à peine de me réveiller. Je mange rarement mes repas de midi, mais merci. Ah, bonne journée, cousin, mon cher Romanus Cléutus. Merci d'être passé, ça fait toujours extrêmement plaisir de te voir, ne serait-ce que brièvement sur ma chaîne. Bon dimanche à toi. Ah là là là. Courage pour la suite. Je sais que tu t'ennuies pas. Merci tout plein. Bon app par anticipation. Voilà, j'anticipe la politesse comme le fait FunFan pour le repas de midi. Pour ceux qui vont déjà faire popote en cuisine avant de pouvoir passer à table, vous avez bien raison de vous faire plaisir. Ah là 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 là. Ouais, j'avais pas les repas de midi, mais à la plage, je fais les repas de nuit, c'est pas mieux. Ah oui, il y a un décalage là dans le. Effectivement, dans les repas consommés. Très beau. J'aime bien le ciel en ombragé là, comme ça. Les couleurs étaient magnifiques. Ça faisait été indien presque. Stupide correcteur orthographique. Ah, tout est fait avoir. Oui, je présume que c'est à la plage. T'as voulu dire autre chose comme à la place. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, bonjour et bienvenue à Rebotjar. À moins que ce soit un robot avec un lien, une pub, ça explique les trois astérix. Il y a eu censure. Mais bon, bienvenue à Rebotjar. Ah, ça met de l'animation, c'est bien. Comme ça qu'il faut le prendre. Adieu. Oula, si je me mets comme ça, vous me voyez plus. Faut que je reste appuyé au fond de mon siège. Emoticon souriant, FunFan1992 dit ceci. Bonjour et bienvenue Emoticon souriant, @RebelJar. Droite, dans 3 gauche. 2001, pas 2010. Ah oui, pour ce que j'ai déclaré du jeu. Oui, dans au niveau de la catégorie. Oui, bah j'ai mis ce que Twitch me proposait, Rebotjar. Hein. J'ai mis un équivalent de ce que je fais. Ouais, c'est le tout premier sur PS2. C'est pour ça que, voilà, je mets un titre. Je m'arrange pour mettre le titre. En dur, au moins vous savez. Et B. Alors, faut que je sauvegarde parce que j'ai fini la Corse. C'est enfin derrière moi. Hop, soulagement. Excellent, Olive. Sur la plage abandonnée, correcteur et crustacé. Il y a de ça. Il y a de ça, effectivement. Bien vu. Non, je remporte le rallye de Corse alors que j'ai été si bouillon que ça. Non, c'est l'épreuve là. C'est l'étape. Ah si, je gagne. À ma grande surprise. Non, je pensais pas finir premier. Parce que j'étais loin d'avoir que du vert dans les chronos. Bon bah, je vais avoir le score maximal en facile là. Je suis parti pour. Oh, Australie. Bonjour, Bambastos. J'espère que tu vas bien. Emoticon souriant, FunFan1992 dit ceci. Bonjour et bienvenue Mr. Bambasto STV. Et les voitures utilisent des pneus spéciaux pour l'affronter. Le dernier né des événements WRC offre un challenge unique. Vache. Ah, ils ont des pneus spéciaux rien que pour le terrain australien. C'est bon à savoir ça. Hop, on va charger l'épreuve. Aïe! Je me suis fait bobo là. Bah alors.
Oui, ben moi ça va beaucoup mieux. Ce que je répétais encore tout à l'heure, 11 heures de sommeil pour ma part. J'ai presque fait le tour du cadran à l'horloge cette nuit. J'avais besoin de récupérer beaucoup d'énergie. Donc en gros, j'ai pioncé de 22h à 9h du matin. 3, 2, 1, vas-y. Donc du coup, c'est bien, je suis en forme pour aujourd'hui. Donc tout à l'heure, cet après-midi, on sera à Duke Nukem à la plage, là, aux Caraïbes. Et puis à 18h, j'espère qu'on fera le scribe IO chez toi, Bombastos. J'aurai plaisir à faire le relais de chaîne. Oh, c'est joli la terre ocre de l'Australie. 50, 2, 50, ah, Rebot Jar, t'apprécies la PS2? C'est la vraie PS2, hein. Je tiens à préciser que je n'émule pas. C'est vraiment le signal original de la PS2. J'ai pas bousillé ma bagnole avec ça. Oh la vache. Vache. 50, en droite, dans deux gauches. La technique là. 50, oh superbe. Bonne trajectoire, 50, bonne reprise. Génial. Cool. Là j'ai bien une belle performance. Oh, j'étais pas loin d'avoir tout en vert. C'est cool. Oh, ça fait plaisir. Alors, je vous lis, pardon. 3, 2, 1. T'as fait un clip. Merci, Fun Fan. Alors, pour le signal PS2, comment tu as réussi à faire? Alors, en fait, pour le signal PS2, c'est plus facile à capter que la PS3, qui, elle, a un signal crypté, protégé, qu'il faut casser pour, en passant du numérique à l'analogique. Mais ça, c'est la PS3. La PS2, c'est que de l'analogique. Il n'y a pas de protection. Oui, bref. Il faut... Je l'ai toujours pas fait. Mais il faut que je vous fasse des photos de mon matos et que je vous fasse un tuto. Je vous explique quel matériel acheter et comment faire pour obtenir... Je l'ai toujours pas fait, pardon. Oh, le saut! Impressionnant! Vu d'hélicoptère, le saut était impressionnant. J'ai même du bol que le pare-choc avant soit pas déboîté. Waouh. Bref, faudra que je prenne photo, que je vous fasse un tuto. Il faut que je fasse ça dans le mois. Il faut que je pense à faire ça dans le courant du mois. Et je vous donnerai la combinaison gagnante. Je vous ferai quasiment, je pense, une commande dans le chat. Une commande avec un lien où vous pourrez télécharger carrément le PDF. Et puis... Vous pourrez rapatrier les données tranquille pépouze. Voilà, voilà. Bah d'ailleurs, c'est bête, mais si tu fais matos, en fait, tu vas avoir la référence de mon système de captation. Regardez l'avant-dernière ligne. Le TerraTech Grabi USB 2. En fait, c'est comme un briquet. Ça a le gabarit d'un briquet. C'est une clé USB qui incorpore en fait un système d'acquisition audio-vidéo. Et à l'opposé, j'ai les fiches RCA,
la jaune pour la vidéo et le blanc et le rouge pour l'audio. Et c'est ça. Ensuite, j'ai le câble spécial qui est donc en RCA, ce que je viens de nommer les trois couleurs, qui sort de l'arrière-train de la PS2. Alors ce câble-là, par contre, il est rare. Il est rare et il coûte bonbon. Pour avoir ce câble-là, justement, qui sort directement le signal de la PlayStation 2. Idéalement, c'est le câble d'origine fourni avec la PS2 quand vous l'achetez. Sinon, vous le trouvez dans le commerce, mais c'est un câble rare qui coûte bonbon. Je crois que c'est... Parfois, ça peut monter à 50 euros du câble. Partie des Français, PDF. Non. Non, le véritable acronyme de PDF, en fait, c'est Portable Document Format. Format de document portable, qu'ils voulaient à la base universel. Et c'est le cas, d'ailleurs. Quasiment tous les ordis, toutes les machines lisent les PDF. C'est limite si votre autoradio de bagnole n'est pas capable de lire le PDF. On n'en est pas loin, hein. C'est pour vous dire. Oh, petit parcours de moins de 5 km, dommage. C'est sur ces belles terres ocres que j'aurais aimé avoir de longues distances. C'est pas de chance. Voilà. Écran de chargement, je dis plus rien. Et ma musique, on est en transition sur un blanc. Ça fait un vide tout d'un coup. Alors j'ai trouvé un moyen de dire un gros mot malgré que je suis modo. Fun fan, tu es en train de faire ton canaillou, je crois. Fini, oui. Ah, oh, je vais avoir le soleil de face. 3, 2, 1, vas-y. 50, 5, gauche. Dans 4, droite. 50, 5, gauche. Dans 4, droite. Dans 4, droite. Et 4, droite. 50, 3, gauche. Serré. N'importe quoi. Comment je suis monté sur le talus? Je suis parti à la faute. 50, 4 gauche. 50, 4 droite, serré. Dans 5, droite. 50, 2 gauche. Dans 2 droite. Attention, tour devant. 50, 2 droite. 50, long, 4 gauche. Ça aurait été plus classe que je passe entre les deux bornes. 50, 2 gauche. Oh là, je déborde allègrement. 100, 2 gauche. Dans 4, droite. Dans 2 gauche. 50, 2 droite. Un petit parcours exigeant, voilà, j'arrive même en catastrophe, en dérapage à l'arrivée. Alors, que je vous lise. Oh oui, ce serait trop cool, j'aimerais jouer avec ma première Xbox, mais je pense pas comment ça pourrait être possible. Alors le problème, c'est qu'Xbox, je connais pas. J'ai un tout petit peu joué sur la Xbox de mon neveu, lorsqu'il m'avait invité à tester la récente série que j'adore, là, d'horreur, les chroniques Darkseid Chronicles, là, avec l'effet papillon. Mais Xbox, je connais quasiment pas. Mais ça doit être à peu près la même, le même Schmidblick. Bombassos TV, j'ai trouvé ouais, de dire un gros mot. Je viens de la comprendre. Eh ben.
Alors, sauf erreur de ma part, je vous cite de tête par rapport au contenu de WRC. Là, je fais, je crois, l'avant-dernier rallye. Okay. Oh, il est beau le sapin. Je sais pas si c'est le sapin de par défaut de Twitch, mais en gros, il était magnifique devant ma tronche. Du coup, ça m'a coupé, je sais plus. Oui, je crois savoir que c'est l'avant-dernier rallye de l'édition. Donc c'est l'Australie et on va finir sur le Royaume-Uni. Je sais que ça se termine chez le réputé rallye de Royaume-Uni. Donc ouais, on va aller peinard vers les... Ouais, entre midi et 13h. Oh, j'arrêterai un peu avant 13h, je pense, le signal, avant de reprendre à partir de 14h. Le temps de me restaurer, peinard, de prendre un déjeuner. T'as pas le sapin, Olive? Ah, attends. Si je peux avoir le nom du... Non, tu l'as aussi, Olive. En fait, il fait partie de la dernière section des émoticônes de Twitch. C'est dans Monde, en fait. Holiday Trees. Si, tout le monde l'a. Mais en fait, tu l'as pas vu dans la liste. Tu pourrais faire pareil, Olive, normalement. Alors, je sais même plus à quelle épreuve je suis. Il y a 5 épreuves par pays. Je sais plus où j'en suis. Ah, j'ai fini la deuxième. Ok. Ah, oh, 13,5 km. Voilà, là je vais apprécier l'Australie. Là, on va bouffer des kangourous et des cactus. Ah, la belle terre ocre de l'Australie s'offre à nous. Voilà, exactement. En plus, tiens, t'as déclenché la... T'as une chance sur 10 d'avoir le gros format de ton émoticône quand ça chute dans les effets spéciaux. C'est beau, il est tombé droit. Oh, c'est stylé. Trop mignon. Oh, mise à jour des niveaux de fidélité. Ah, t'as acheté le sapin, mon Bastos. Ah oui, motivation pour le décorer, ouais. Ah, il en faut. 3, 2, 1, vas-y. Alors, ultra longue épreuve de 13,5 km. On va savourer l'Australie. À mon avis, l'épreuve là, elle va faire 5 minutes. Parce que les 13 bornes, faut quand même se les coltiner. 50, 4, pop, 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 pop. Faut surtout pas que je déborde et que je fasse un effet bobsleigh. Et deux droites dans 4 gauche. 50, 2 droites. 50, attention, épingle droite. Non! Non! J'ai merdé mon freinage. Et alors ça me fait penser, j'ai un ami qui s'était offert 15 jours de vacances en Australie et il m'avait montré quelques photos et je sais plus quel désert de l'Australie, parce que l'Australie c'est un conglomérat de déserts en fait, sur cette île continent, et il y avait des termitières, je fais n'importe quoi, il y avait des termitières qui faisaient mais alors... 2, 3, voire 4 mètres de haut. C'est impressionnant. On dirait des espèces de troncs d'arbres asséchés au loin. Et vous vous approchez, vous vous rendez compte que c'est l'habitat de termites, en fait. Mais elles ont un gabarit disproportionné par rapport aux nôtres européennes, quoi. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Et vous avez ça en plein désert, en fait. Ça fait partie des charmes de l'Australie. 50, de gauche, attention, tour devant. C'est le genre de phénomène qui est intéressant à observer, surtout de nos jours avec la très haute définition sur les fameux écrans 4K. Là. Avoir un documentaire là-dessus, ça doit être haletant, ça doit être magnifique. Waouh, je vais éclater le moteur. Ça a tracé tout droit là.
J'adore la couleur ocre du sol. C'est superbe. Ça me plaît énormément. Oula. Je vais avoir le temps de bavarder avec vous au moment du ralenti là. Parce qu'on est vraiment parti pour les 5 minutes d'épreuve. Hein. Attention, tour devant. 50, droit droite. Dans deux gauche. 50, 4, droite. Dans deux gauche. 50, 2 droite. Dans 3 gauche. Wow. 50, 3 droite. Dans 4 gauche. Dans 3 gauche. 50, 3 droite. Dans 4 gauche. On vache. Et 4 droite. C'est encore un temps intermédiaire. On va faire 6 minutes à mon avis. Mais... Attention, tour devant. Dans 4 gauche. Waouh. Là à mon avis, on est sur la portion des 3 derniers kilomètres. Magnifique. Je boude pas mon plaisir. Superbe. J'adore ça. Un régal. 50, 4, droite. 50, épingle droite. 50, ah, ça va, c'est pas trop serré. 50, de gauche. 50, 5, droite. Waouh. Arrivé. 6 minutes, ouais. 3 secondes 70 centièmes. Waouh. Oh bah là, je vais avoir le temps de bavarder en votre compagnie, c'est cool. Un régal. Ah là, je me suis fait plaisir. Alors, oui, mise à jour des niveaux, blablabla. Skoda Octavia WRC. Alors, elle doit être dans le jeu, mais là c'est la Citroën Xara. Citroën Xara pour moi là en ce moment. Oui, en Afrique c'est assez balèze aussi. Ouais. Ah là, le simulateur nous en a mis plein la vue. Superbe. Mais Rebodjar, j'ai un doute. Je réponds en français. Mais t'es peut-être pas à l'aise avec le français, Rebodjar. Je sais pas. Éventuellement, je peux essayer d'improviser un peu de traduction en anglais. Je suis pas doué, mais bon. Parce que par défaut, forcément, j'emploie ma langue natale, comme tout à chacun. Ah, merci, FunFan. Je vois que tu m'héberges. Mais c'est vrai que c'est chiant depuis qu'il y a le piratage de Twitch. Les hébergements automatiques ne seront plus. T'es obligé de passer en manuel. Il faut y penser, quoi. Quand tu veux soutenir les copains,
Et dur, dur. Mais merci tout plein, hein, fan fan. Ah là 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 là. Attends, je vais te le noter. Voilà. pour la voiture que je pilote. Alors en plus, ça m'énerve. J'avais demandé à plein de personnes de m'héberger, tout ça pour rien. Bah, il faut espérer que ça revienne, le système automatisé des hébergements. Bien, hébergement, ça fait plaisir. Merci, Laï. Merci, Laï. Merci, Laï. C'est ça, merci tout plein. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai remarqué que c'est depuis le fameux piratage, il y a eu déjà 2 mois de ça, je crois, qu'ils ont arrêté l'hébergement automatique. Ils ont peut-être dû voir qu'il y avait une faille de sécurité par rapport au fait que le code source du site avait été partagé et publié. Alors, risque et péril, évidemment. Ils l'ont peut-être désactivé en attendant de pouvoir corriger leur copie, quoi. Mais sachant que c'est pas leur priorité dans le cahier des charges. À mon avis, c'est ça. Je suis pas dans le secret. J'ai pas cherché dans l'actualité Twitch, mais par logique informatique, j'ai envie de dire, je pense que c'est ça ce qui se passe en fait. Bon, avec un peu de chance, les hébergements auto vont revenir dans le courant de l'année prochaine. Faudra voir, on verra. Eh ben, là on est à la moitié de l'étape, ouais, 3 minutes sur les 6. C'est peut-être bien l'étape la plus longue du jeu. Parce que la Suède, il y en avait une de près de 12 km. Là on a fait 13 km et demi, c'est énorme. C'est énorme. C'est beau. Ah, oh, c'est relaxation, c'est bien. On n'est pas bien là. Ah, baba cool un dimanche matin. 50, attention, tour devant. Eh B. Vendu. Ah ouais, je vais me resservir à boire le temps du ralenti, j'en profite. Alors, c'est la 3e épreuve sur 5 d'Australie. Sachant que derrière, je crois savoir qu'il y a les 5 épreuves du dernier rallye de Grande-Bretagne. Ce qui fait qu'on pourrait se quitter tout à l'heure, peu avant 13h, sur la fin du jeu, en fait. Le 1 serait bouclé. Hic, pardon. Ce serait le scénario idéal. On verra. Je suis pas certain de moi, mais... je pense que ça va se profiler comme ça. Ah, la poussière, elle gicle. Hein. Alors là, avec ce genre de terrain... Ouais, c'est du semi-désertique, en fait. Là, la région, le biome est très sec. Mais avec le... l'hélicoptère en position géostationnaire, ça y est. Et B, c'est dans la boîte.
Le ralenti est immortalisé. Tac, 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 ok. Hop, ça c'est fait. Ok. Étape suivante. Ouais, cette semaine, il faudrait que je pense à prendre en photo mon matériel et puis que je vous fasse un tuto rapide. Que vous aussi, vous puissiez avoir la combinaison gagnante pour ce qui est de la PS2 et de la PS3. Mais je repense à le coup de la remarque de la Xbox. Je sais pas si... D'ailleurs, je crois que j'ai un adaptateur universel. Il fait également la Xbox. Je crois savoir. Si je retrouve la référence exacte du cap, je vous la redonnerai, vous puissiez vous l'acheter. 3, 2, 1, vas-y! Sans épingle droite. Wow! 50, de gauche, serré. Dans 3 à gauche. 4, bonjour SDR, je viens de voir du coin de l'œil que tu viens de débarquer. J'espère que tu vas bien. 4, dans 5, gauche. 50, 4, wow. 3, ouais, c'est bien, ça va tranquillou. C'est 50, cool. 2, droite. Alors pour ma part, je vais bien mieux comparé à hier. J'ai fait un bon gros dodo cette nuit de 11h, ce qui fait que je suis bien ressourcé. Et j'ai laissé derrière moi mon état grippal. Donc ce matin, je suis un autre homme. Je suis revenu à la normale. Droite. 50, de gauche. 50, 4 gauche. Dans long, 2 droite. Eh ben, on voit la route au loin. Oula, je suis en train de me faire piéger. Et voilà, j'ai basculé, j'ai trop mordu. Ça, c'est le problème de la haute vitesse dans les rallyes. La moindre petite erreur prend des proportions catastrophiques. Emoticon souriant. Funfan 1992 dit ceci. Bonjour et bienvenue SDR. Tac, 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 tac. Oui, ouf. Ah, mais c'était l'avant-dernière épreuve australe. Ah, la première place t'appelle. Excusez-moi. Bah, en parlant de la première place qui m'appelle, c'est que... oui, honneur au vôtre, merci pour les souhaits. Là où je suis content du rallye de Corse, qui est mon pain noir, que je viens de terminer juste avant l'Australie, c'est que j'ai remporté le rallye de Corse. Chose rare, parce que c'est là où je suis le moins performant. Et là, je suis en route en mode facile. Je suis en route pour remporter tous les rallyes à la suite. Donc je vais avoir le score maximal en fin de carrière facile. C'est rigolo. Je crois que c'est d'ailleurs, je ne sais pas la première fois que ça m'arrive. Ouais. Emoticon souriant. Funfan 1992 dit ceci. J'espère que ton pain noir ne sera jamais la Guadeloupe XD. Funfan, canaillou.
Oui, j'avais compris, oui, j'avais compris qu'au niveau de l'espace, que t'as saisi rapidement SDR. Ah là là là, merci. Donc, je récapitule le programme de la journée. Là, je suis encore une petite heure avec vous, je pense, jusqu'à 13h, ou je rendrai l'antenne peu avant 13h. On continue le rallye et je vais peut-être terminer donc, le jeu aujourd'hui, le 1. Si après l'Australie, on a le Royaume-Uni, parce que je sais que ça se finit au Royaume-Uni. Et cet après-midi, 14h, 18h, on se fait Duke Nukem aux Caraïbes. Et 18h, 20h, on ira chez l'ami Bambastos où on ferait théoriquement du dessin, le scribe, Scribio. Ouais, Duke Nukem, ça va défourailler cet après-midi. À mon avis, il va y avoir 2-3 clips à faire. Parce que c'est toujours un jeu avec des surprises, même moi je me fais avoir alors que je suis habitué au jeu depuis que je suis ado. Ouais, le programme est sympa de ce dimanche. Ouais, ouais. Très sympa. Et puis là, je suis content de vous retrouver en forme. Comme j'étais claqué hier, que j'ai même pas fait 2 heures de direct hier matin parce que j'étais naze, mais j'étais mort. En plus, le jeu était bizarre. Il était pas top. Le Hyper Dimension Neptunia, là. Oh, presque 10 bornes. Wow. Ouh, la dernière épreuve, elle m'a l'air spéciale en Australie, là. À mon avis, je vais rester concentré. Il y en a peut-être pour 5 minutes d'épreuve. Elle m'a l'air vachement technique. Tiens, je tente ma chance à la pêche. Ah, c'était le coucou. Ah, chic. Gobi tacheté. Yeah. Pas déranger le sage pendant cette course. Ouais, il y a un peu de ça. Mais de toute façon, vous le verrez quand je suis concentré. Ça se voit tout de suite, je me tais en fait. J'écoute ce que me dit le copilote et j'essaie de lire à vue le tracé. Au Caraïbes, il paraît que tu peux croiser Johnny Depp qui fait du surf. À mon avis, on peut croiser pas mal de monde au Caraïbes, en vrai. Allez. Concentration. Oula. Ah, je me fais avoir avec le revêtement poussiéreux, les distances de freinage sont pas les mêmes. Ça glisse vachement. J'ai pas beaucoup d'adhérence. Non! Ah, je me disais bien que mon dérapage était trop large. Aïe. J'avais trop d'inertie. Là, pareil. J'aurais dû contre-braquer plus tôt. Long,
Oula. Je vais éclater le moteur là. Ouais, je suis à fond les ballons. Là, j'ai l'impression de faire le Paris-Dakar tellement que je suis à fond. Tracé comme un malade. Ah, j'aurais fait un réglage de rapport long au niveau de la boîte de vitesse. Je serais allègrement à 220 km/h là. Dans les lignes droites, le truc de fou. Sympa, j'ai... Oh, j'ai tout en vert. Waouh. Wow, j'ai fait un chrono stratosphérique. Oh, ça fait plaisir. 24 secondes d'avance, énorme. Oh, cool. Tiens, du coup, je me fais mon GG à moi. Emoticon souriant, FunFan1992 dit ceci. Bonjour Twinson Twitch et re-bienvenue. Oui, oui, Twinson, oui, t'es revenu de tes courses, ouais. Ouais, tu vas pas tarder à les ranger et après tu vas me dire que tu vas passer à table. Je connais ton rituel dominical maintenant. Alors, du moment qu'en Corse je croise pas Twinson, tout va bien. Oh, FunFan. Ah, perdu à la pêche, SDR. Tu t'es fait avoir par les corbeaux qui sèment le caillon sur l'étang. Le Nancy-Dakar, ouais. Oh, tu rigoles avec Nancy-Dakar. Mais j'avais un camarade de classe quand j'étais lycéen qui était justement originaire de Dakar. Et il faisait effectivement, il faisait Nancy-Dakar quand il retrouvait sa famille durant les vacances. Ah ouais, un camarade sénégalais. On me rappelle des souvenirs, tiens. Il faisait du rap en plus, c'était un rappeur. Il était doué ce garçon. Je sais pas, je me demande ce qu'il est devenu d'ailleurs. Alors, quand on parle du loup, le loup arrive. tac, 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 tac. Oui, merci pour les GG. Non, là, je suis content. C'est pas tout le temps que je peux me vanter d'avoir tout en vert. Et pourtant, vous voyez, j'ai fauté, hein. J'ai fauté sur le parcours. Oula, impressionnant. Et j'ai tout en vert. C'est cool. C'est de très très bon augure. Eh bien. Ah ouais, le Nancy-Dakar. Oui, tiens, moi aussi, je pourrais me laisser perturber par les couleurs. J'ai pour habitude de te voir apparaître en bleu SDR sur les chaînes... des autres
Et là, dans mon interface, comme tu peux le voir au niveau de mon signal, je te vois en rouge. C'est rigolo. Ça change. 50, de droite. Ah tiens, comme vous êtes quelques-uns présents dans le sur le direct, pour ceux qui veulent faire mumuse. Alors le jeu de la bombe, j'avais essayé avec FanFan, mais le jeu de la bombe, on peut pas programmer Wisebot pour que ce soit lui de temps à autre qui pose le jeu de la bombe. Il va afficher le point d'exclamation plant, mais le jeu va pas se lancer en fait. Je pense que ça doit être une sécurité pour éviter de faire saturer les services et le serveur de Wisebot. Parce que ce serait trop demander de ressources en fait. Je pense que c'est ça. Ouais, perdu. Tic 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 tic. Je vous en mets une de bombinette. 50, 3 à gauche. Ouais. Wow! Le plan de face avec la Xara qui défonce la caméra, ça fait bizarre. Oh bien, Bambastos, en coupant le bleu, t'as réussi à la désamorcer. Bien joué. Ah voilà, l'arrivée. Et là, normalement, on a fini l'Australie. Et je crois que derrière, c'est le Royaume-Uni. Qui est le dernier rallye du championnat. On va vite le savoir, on va avoir une vidéo d'introduction. Donc moi je vais sauvegarder ma progression dans le championnat. Oui, tu vas faire la popote, oui, tu vas choper ta soupe, Olive. T'as bien raison. Sauvegarder partie. Hop, 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 continuer. Ouais, bonne app. Voilà, fin de l'Australie. 130 points, c'est n'importe quoi. Allez, Royaume-Uni. La Grande-Bretagne. Après 13 courses qui auraient rétamé la plupart des sables mortels, les survivants de WRC ont atteint le rallye final en Angleterre. Après les conditions climatiques extrêmes de chaleur étouffante ou de froid polaire dans des pays aussi divers que le Kenya ou la Suède, le Royaume-Uni pourrait décevoir. Mais la situation réelle est bien différente. La surface varie de l'asphalte au gravier, voire à la boue, lorsque le climat anglais s'en mêle. Et à la fin, ce n'est pas seulement un champion de rallye qu'on adule, mais un champion du monde. C'est parti mon kiki. J'aime beaucoup le rallye de Grande-Bretagne. Enfin du Royaume-Uni de manière générale. J'avais sur PC, je crois qu'il est sur PS1. J'aurais aimé qu'il y ait un portage sur la PS2. Faudra que je vérifie d'ailleurs, j'en suis pas sûr. Il existe peut-être. Il y avait le Mobile One Rallye Edition. Il y avait les 5-6 rallyes du Royaume-Uni en fait. Il y avait le rallye d'Écosse, le rallye du Pays de Galles, etc. Et c'est d'autant d'épreuves exigeantes. J'y ai passé des heures sur ce jeu de rallye. Et franchement, excellent. Excellent. Vraiment réaliste. 3, 2, 1. C'était un des jeux, voire le jeu de rallye le plus abouti de son époque. Il était sorti au début des années 2000. Et malheureusement, je ne peux plus y jouer sur PC parce qu'il y a un bug. Avec les éditions modernes de Windows, même tout ce qui est DOSBox ou machine virtuelle, j'arrive pas à le faire. J'ai essayé, hein. J'arrive pas à le faire fonctionner. SDR, je t'avouerai que j'ai eu peur avec le visage de la catcheuse en dessin. J'ai flippé en me disant mais c'est quoi ce truc. Oula. Alors, vous voyez le tracé exigeant. La route est étroite et il y a des arbustes au bord de la route. Donc la moindre erreur ne pardonne pas. Et en plus c'est vallonné, vous voyez, même de côté. Il y a des ruisseaux qui courent le long de la route et qui creusent des sillons.
De facto, les tracés sont vraiment exigeants au Royaume-Uni. Ça en fait vraiment un rallye de réputation. J'ai envie de vous dire, vous finissez le rallye de Grande-Bretagne, vous êtes capable de faire tous les rallyes de la planète. Parce que c'est un conglomérat, c'est un ensemble de spécificités techniques, une configuration exigeante, riche, variée. Et pour maîtriser le tout, vous franchissez la dernière ligne d'arrivée du rallye, vous pouvez tout faire. Vous voyez, je suis dans le rouge. Non, c'est vraiment balèze. Là, c'est le grand final du championnat de la saison. Wouh! Je suis nerveux. Ah, en plus, en cuvette, l'effet bobsleigh est terrible. Hop. En plus, on n'est pas à l'abri d'avoir des bûches, des troncs d'arbres qui sont disposés tout proche du bord de la route par rapport à une découpe fraîche des bois. C'est aussi un classique du rallye de Grande-Bretagne. Vous voyez, je fais n'importe quoi dans le virage en épingle. Je ne maîtrise pas mon véhicule. Je suis concentré, hein, pardon, je dis plus rien. Ah, je suis dans le rouge, je suis à la peine. Ah, je suis troisième. Ah, c'est pas de bon augure pour le dernier championnat, on va voir. Bon, vu que je me rattrape sur les 4 autres étapes. Émoticône sourire, Funfan 1992 dit ceci, Winston Twitch dit, c'est normal que le mec qui donne les directions on entend de la reverb avec un léger délai. C'est possible pour deux choses. Un, l'enregistrement des voix en français, parce qu'à la base c'est en américain. Oui, c'est toujours le podium SDR, le troisième. Y a le doublage en français pour les voix. Et y a peut-être un paramétrage, moi, de mon côté, au niveau de la captation et ou de la PlayStation 2, où j'ai peut-être merdé un truc dans le son. Mais j'ai souvenir que j'avais pris le paramétrage optimal. Oui, il faut pas que ce soit trop dérangeant. Mais c'est vrai que TuneSense a toujours un niveau d'exigence professionnel où il laisse rien passer. C'est tout à son honneur. Hein. Merci de la remarque d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a aussi le léger décalage avec le doublage. Et tout à l'heure, je crois qu'on, sans déconner, je crois qu'on a vu la PlayStation 2 ramer quand j'étais au rallye de Corse. À un moment, il y avait une latence qui n'était pas normale. On aurait dit que ma voiture était devenue flasque. Et la vitesse indiquée qui était 4e, 5e rapport, on aurait dit que j'étais coincé en seconde. Il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, il y a une portion où elle s'est mise à suer, la PS2, là. Elle était en galère.
Ouais, tu parierais plus sur la confection, peut-être. Ouais. 50, droite. Attendez, du coup, je vous avouerai que je vais en profiter rapidement pour faire une pause pipi. Pardon. Je reviens au plus vite. Veuillez excuser cette interruption de programme. Le sage doit soulager sa vessie. Il s'est donc précipité en chambre basse, aux toilettes si vous préférez. Émoticôme souriant. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Le sage reviendra rapidement. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Émoticône souriant. Funfan 1992 dit ceci. Pour un pont pour de bon. Attention, tour devant. 150, droit à gauche. 100. Émoticône souriant, Funfan 1992 dit ceci, il est en train de créer un nouvel océan. Mais qu'il est bête, qu'il est bête, j'entends. Oupla. J'ai foutu un coup. Attendez, excusez-moi. Oh là là. Du coup, j'ai complètement déboîté ma webcam. Oh là là. Ouais, aspiré par la cuvette, ouais. Manger. Me revoilà. Excusez-moi. Allez, go. Un nouvel océan. Mon Dieu, n'importe quoi. Excusez-moi du peu, mais je me sens mieux. Ouais, mais c'est bien long, pardon, mais au moins je prends le temps de me laver les mains entre temps aussi. Merci pour l'hygiène. Bah c'est aussi ça, hein, de faire des longues sessions de direct. Hein. Il faut pas négliger ça non plus. Oula. Ah oui, vous parlez de visage, Chris et Bambastos entre vous. Ouais. Ouais, l'excellent visage, un chef-d'œuvre. Enfin, ça tient qu'à moi, mais c'est un chef-d'œuvre de l'horreur. Attention, oh là, il flotte. Concentration, je continuerai de vous lire juste après. Oula, je suis plus au plancher. 50, 4,
descend très long, 3 droite. Descend très long, épingle gauche. Je suis arrivé beaucoup trop vite. Dans, attention, tour devant. Dans, deux droite. Dans, long, quatre gauche. 50 sur crête. Dans, long, 5, droite. 50, deux droite. Sur crête. Dans, long, quatre gauche. N'importe quoi. Sur crête. Oh, je crois que j'ai écrasé quelqu'un. Il faudra regarder au ralenti, mais je me demande si j'ai pas écrasé un mec. Ou alors c'était un étrange buisson. J'ai l'impression d'avoir écrasé un gars au bord de la route. L'horreur. Non, c'est pas possible, ça devait être un buisson. Quelle idée d'être en plein dans la trajectoire. Enfin, ça m'a fait l'effet là. Trop bizarre. Dur. Oh là là, je suis dans le rouge. Vous allez voir, c'est le dernier rallye, c'est celui-là que je vais pas remporter. Alors que j'ai remporté tous les précédents. Ah, bonjour Gimbal. Je vois l'icône de salutation avec la jeune femme. Fun fan 1992 dit ceci. Non, c'est un panneau que tu as écrasé. Ah, c'est un panneau que j'ai écrasé. Ok, merci pour l'info. Bonjour Gimbal, j'espère que tu vas bien. Oh, je suis encore dans le rouge. Ah, je suis pas bon, la rallye de Grande-Bretagne, dur. En plus, j'ai un mal de chien à stabiliser la voiture. Soulagement, la pression qui retombe. Alors, que je vous lise. Je sais plus où j'en étais dans la lecture du chat. Attendez. Oh, j'ai qu'un secteur en vert. Dur. Dur, dur, dur. Alors, attends, j'avais une citation du jour qui était de Molière. Emoticon souriant, funfan 1992 dit ceci. Arrobas gimbalprod, bonjour et bienvenue sur la chaîne du sage. Tac tac, donc là je sortais des toilettes. Merci pour les commentaires. Je vais chercher la suite de mon côté. Tac 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 tac, prochainement histoire soit rapide et clos. Oui, la fin de visage, ouais. Souvenir de l'éternuement d'hier avec funfan. Ah. On sait maintenant que le sage habite dans un château et que ses latrines sont éloignées. Mon bastos, bien vu. Belle formule. Tu mériterais que j'efface ton message pour conflit d'intérêt. Quoi? Mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est des WC sèches dehors. Tu fais ton boulot, nanana. Ah oui, le coup de Wisebot. Tac, tac, tac. Alors, attends. Chris, que j'arrive à te lire. Qu'est-ce que j'aime pas faire des courses le dimanche? Mais le frigo est vide. Ah oui, il est vide. Ouais, bah ouais. Ouais. Ouais, avec la foule, ouais, s'il y a du peuple. Ah, je pourrais pas. Moi, vraiment, c'est là où on voit que j'ai une éducation et un environnement catholique. C'est-à-dire que le dimanche, c'est le septième jour de la semaine, c'est repos. C'est... Le dimanche doit être entre guillemets que plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça que je prends l'habitude le dimanche de manger froid en fait. Je me prépare rien, j'ai un reste brièvement à réchauffer. Mais c'est aussi le plaisir de paresser.
de cagnarder, pourrait-on dire. Et je me verrais pas sortir un dimanche. Je préfère être peinard dans ma tanière à récupérer le dimanche. Ah oui, merci, oui, merci. S'il y a eu un suivi de chaîne, merci, merci. Alors, je vous relis dans le chat. Je rattrape mon retard, pardon. Le temps qu'il y a le ralenti à l'écran. Tac, 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 tac. Tu es au Super U Express, un rayon en train d'attendre que les gens se barrent. Trop de gens. Ah ouais. Ah, t'es carrément dans les rayons au moment où tu écris, Chris. Ok. Eh ben, bonne course à toi. Oui, courage avec ça. Méfie-toi, Fun Fan. Tu me connais. J'ai programmé, enfin reprogrammé l'intelligence artificielle de Westbot. Donc si tu le titilles, il peut te répondre bien des choses. Alors, le pire en course, le samedi ou dimanche, ils sont tous de sortie. Alors qu'ils ont tout le temps en semaine, en journée pour y aller. Tu parles des vieux, ouais, des retraités. Bah, les quelques fois où je suis allé faire mes courses en semaine, en général, c'est que j'étais en vacances. Et je voyais pas mal de personnes âgées. Hein, alors que conventionnellement, c'était la plage horaire où tout le monde est censé bosser. Enfin, moi, j'ai pas fait cette observation-là, mais bon. Après, c'est au rythme de tout à chacun. Hein. Et puis, les retraités, faut pas se voiler la face. Mais, et tant mieux pour eux, il y a des retraités qui sont dits encore actifs. C'est-à-dire qu'ils ont des semaines bien chargées et qui continuent d'observer leur rythme métro-boulot-dodo qu'ils avaient lorsqu'ils étaient encore actifs dans le sens économique du terme. C'est-à-dire qu'ils devaient encore travailler et cotiser pour leur propre retraite en plus de celle des autres. Au régime social là, et c'est une hygiène de vie, voilà. Bon, c'est tout à chacun. Ah oui, c'est sourire, hein. Bonne idée, la flotte. 92, merci. Dit ceci, Wizbo, va chier dans ton circuit électronique. Attention, faut que je me concentre. Allez, je vais essayer de pas faire trop de la mouise. Oh, il pleut comme vache qui pisse. J'ai failli manger l'arbre. C'est beau la succession de bois et de clairière ou de vallée, j'aime bien. Ah,
j'ai un peu de vert. Mon chrono est correct. Non, 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 pas l'effet bobsleigh. Ça, c'est mortel. Ah, je suis encore dans le rouge. Non! Oh là là, j'ai à peine mordu! Oh là 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 là! Tout de suite le sillon après les graviers, là, ça ne pardonne rien. C'est vraiment punitif. Emoticon souriant, FunFan 1992 dit ceci, Wilson Twitch a dit c'est comme les vieux qui ont de grosses voitures mais qui roulent à 20 km. Ouais, 20 km heure, ouais. Oui, pour interagir avec l'intelligence artificielle, en fait, Wisebot, il faut le désigner nommément, donc en toutes lettres Wisebot, et vous devez finir votre phrase avec le point d'interrogation. C'est les deux conditions pour pouvoir provoquer l'intelligence artificielle. Et là, vous l'aurez deviné, j'ai basculé du mode normal par défaut à un mode personnalisé où je suis en train en ce moment de renseigner mes propres phrases, histoire de rendre Wisebot vivant. C'est très rigolo. Ça y est, vous êtes déchaîné. Maintenant que je vous ai donné accès à cette nouvelle fonctionnalité, c'est la folie. Aïe, aïe, aïe. Oh, 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 Chris, n'importe quoi. Oh là là. Ah, tiens, c'est un bug. Ouais, deux fois toi, FunFan, c'est ça. Il y a un bug dans le tirage au hasard des spectateurs en ligne. Comme on est en comité restreint, c'est, tu vois, je savais même pas que c'était possible qu'ils tirent deux fois la même personne. Au niveau des pseudos aléatoires actifs. Ah, bon app à toi, Olive. Bon souper à toi. Heureusement que je suis pas un pirate, sinon il y aurait plein de personnes. Je me serais vengé depuis le temps. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est du pur hasard que Wisebot... te redonne souvent ton pseudo FunFan. Ouais, il t'aime bien là. C'est ton jour avec Wisebot, j'ai l'impression. Ah là 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 là. Ah bah, je t'en prie, Olive. Ouais, ouais. C'est l'heure de la restauration. Ouais, bon app hein, à ceux qui sont à table. Aussi les anonymes là, ceux qui regardent de manière très discrète, sans compte. Bon appétit à vous si vous êtes à l'heure française. Ok, à plus, Chris. Ouais, les fameux lurks, ouais. Le fait d'être caché, ouais. Ou en sous-marin, comme disait FunFan. C'était l'expression consacrée jadis. Avec la communauté sourire. Francophone. FunFan 1992 dit ceci, il y a une pause entre le rallye et du DM3D où tu enchaînes tout. Non, j'enchaîne pas tout. Il y a la pause déjeuner. C'est-à-dire que là, à la fin du rallye de Grande-Bretagne, à mon avis, j'ai fini dans un gros quart d'heure. Donc à 13h, je couperai mon signal. Je crois que je ne vais même pas, honteusement, je crois que je ne vais même pas faire de relais de chaîne. Je vais couper le signal et je vais me restaurer.
Je vais prendre le temps entre 13h et 14h de manger, de souffler un coup. Et à partir de, à mon avis, entre 14h et 14h30, je vais relancer mon signal. Et on se retrouvera donc avec Duke Nukem aux Caraïbes. Voilà. Et 18h, je rendrai l'antenne ou je ferai relais de chaîne vers Bambastos. Puisque s'il y a assez de monde et de personnes motivées, sur sa chaîne, à partir de 18h, on fera le jeu du dessin. Le scribe IO. Wally Wallo. Ouais, beau programme dominical. Mais vous n'avez pas idée comme je suis en joie. Le fait de vous retrouver maintenant les dimanches, de décompresser de la semaine. Et voilà, la technologie magnifique avec Twitch. Le fait de pouvoir interagir avec vous, c'est un régal. Waouh, l'avant-dernière épreuve qui fait plus de 10 bornes. Je vais rendre l'antenne un petit peu après 13h, à mon avis. C'est pas plus mal. Waouh, je vais devoir rester concentré. Enfin, il va falloir que j'essaye d'être constant. Une épreuve de plus de 10 bornes. Ça va être exigeant, là. Là, énergie. Concentration max. Mais non, l'expression utilisée dans la vieille France. Mais c'est toi-même qui l'avais dit, Funfan. L'équivalent de lurk caché en anglais, là. Être en mode sous-marin, tu me l'avais expliqué en plus. Ah là 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 là. C'était pas Aerostar qui faisait emploi de l'expression? Je l'associe à par des fois Funfan, mais je suis peut-être dans l'erreur. Oh, de nuit, 10 bornes de nuit. 3, 2, 1. On se retrouve dans 5 minutes là. Je vais être en apnée de concentration. Oh le cauchemar. Ah je tape déjà. Oh là 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 là. Dans 2 droite, 50, long, 4 gauche. Aïe 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 aïe. Je pensais pas que le véhicule glisserait. Dans 4 gauche. Ah, j'y arrive pas. Je suis en galère. Je suis encastré, c'est un cauchemar. Dans 4 gauche. 150, attention, tour devant. Dans très long, 5, droite. Cinquante, 4, droite.
Oh là là. Chrono catastrophique. C'est clairement une contre-performance de ma part, j'en suis navré. Mais là, à mon avis, c'est le dernier rallye et celui-là, contrairement aux autres, je vais pas le remporter. Ah non, c'est le grand final du championnat mondial et là il vous achève. Là. Il vous achève méchant. Oh là 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 là! Vogue la galère! Oh là, oh là, oh. Arrivé. Wouh, 5 minutes de cauchemar. Waouh, je vais avoir plaisir à vous lire. Ah bah, j'ai qu'une petite portion en verre et je peux me féliciter d'en avoir un peu en verre. Wow, 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 wow. Alors, que je remonte le chat, le temps du ralenti de 5 minutes. On en était où? Oui, si l'expression est en mode sous-marin était d'aérosteur, peut-être. Je ne sais plus. Pas mal, Olive, de la manière dont tu as provoqué Wisebot. Eh bien, bonne ambiance, c'est cool. Oui, c'était peut-être Aerostorm, Bombastos, pour l'expression en mode sous-marin, peut-être, je sais plus. Alors, avec les indications sonores, je suis sûr qu'il y a des joueurs pros capables de jouer les yeux fermés à ce jeu. Peut-être. Ce serait très particulier, mais ça se conçoit. C'est concevable. Vu que le jeu a une vingtaine d'années, je ne serais pas étonné que ce soit le cas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, comme une partition à jouer à la perfection. Mais c'est ça dans l'idée. Hein. Là, je joue en mode facile. Mais tu prends le niveau difficile balèze. Où il laisse rien passer, très exigeant, t'es obligé d'apprendre les tracés par cœur. C'est de ce niveau-là. Ah, ça se veut simulateur, hein. On dit jeu, j'ai envie de dire par familiarité, par usage. Mais c'est une série de simulateurs. Ça essaie de retranscrire au plus proche de la réalité. C'est vraiment bien fichu. Wally, voilà. Bon, bah, il reste plus qu'une épreuve, et puis je rendrai l'antenne, peinard pépouze. Et on se retrouvera donc l'après-midi à partir de 14h pour du Duc Nukem. C'est cool. Ah, je profite du temps du ralenti pour vous dire que au niveau de l'évolution de la chaîne, donc là, on a parlé de l'intelligence artificielle de Wisebot, que je suis en train de programmer. Je m'amuse à mettre des phrases. Oula mince, t'étais en mode majuscule Twinsen, tu t'es fait botter l'arrière-train. Tu vas pouvoir réinteragir que dans une minute. Ouais, attention.
évolution de la chaîne, je sais plus quoi dire. Bon, vous voyez un peu l'habillage. Là, j'ai rajouté la barre industrielle de danger noir et jaune. Oui, tu l'as. tu l'as sauvé, FunFan. Oui, merci. Ça y est, tu peux à nouveau interagir dans le chat, Pinsen. Mince, qu'est-ce que je voulais dire à propos de la chaîne ? Qu'en dehors de l'habillage et de l'intelligence artificielle que je suis en train de programmer ces jours-ci, il y a quelque chose. Ah oui, les scènes. Il faut que la semaine prochaine, il faut que j'essaye de préparer d'autres scènes. Là, j'ai fait le 4 tiers et 16 neuvième. Mais il faut que je prépare le terrain pour mon fameux jeu de devinette que sera le tableau mystère. J'ai pas préparé encore la scène. Et il faut que je compose ça dans les jours à venir, que je sois prêt au 1er janvier. FunFan 1992 dit ceci. Ouais. Gilbert Montagnier doit être un pro à ce jeu, ouais. Ouais. Oui, FunFan, tu t'es planté. Oui, l'habillage, ouais, barre noire et jaune, ouais. Ouais, j'ai fait au simple, ça fait un style, voilà, j'aime bien. Peut-être que je vais changer entre temps, je vous mettrai autre chose, mais moi j'aime bien. Ça fait un style un peu industriel, l'affichage en digital, comme j'aime. Voilà, voilà. Alors sachez que pour l'anecdote, que Gilbert conduit avec sa femme à côté pour l'aider. Ah, je savais même pas qu'il prenait le volant. Waouh! Ça me surprend parce que normalement il est aveugle de naissance, donc. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un statut de conduite accompagnée spécial. Enfin, je connais mal le code de la route et la législation en vigueur là-dessus, mais. Ouais. C'est particulier. Aïe aïe aïe. Oh, j'ai perdu un phare. On voit que j'ai tapé. Il habite dans un patelin où les routes sont assez larges. Oui, et bah heureusement. Emoticon souriant, FunFan 1992 dit ceci. Le pauvre Twinson Twitch ban par mois et puis @wizbo, il va finir par se demander si on a une dent contre lui, Emoticon triste. Oh, il s'en remettra, Twinson. C'est... On va dire qu'il est endurant. Il est persévérant, voilà, c'est le bon terme. Oh là là, j'ai une minute de retard. Ah bah le rallye va être pour Richard Burns. Oh là là, on voit qu'il est sur ses terres, Richard Burns. Eh ben. Ah, 9,5 km. Ouais, je vais vous accompagner tranquillement, Pépou, jusqu'à 13h. Ça me fera une bonne petite pause déjeuner d'une heure. Ouais, c'est le scénario idéal. C'est cool. sacré Wisebot. Bah du coup je me pose la question. Je pense que je referai de temps en temps un petit peu du 1 de celui-là, de WRC. Je sais qu'il y a un mode spécial compète. Là, je sais plus quoi, il y a 3 épreuves qui s'enchaînent et il faut faire un super chrono. Je le ferai à l'occasion, peut-être dans une session en bouche trou. Une section de jeu, peut-être, je verrai. Ou alors, avec plaisir, prochainement, je piocherai dans des épreuves que j'ai appréciées. Il faut que la dernière soit de nuit. Oh là 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 là, le final exigeant. Voilà, je vais plus rien dire pendant 5 minutes. Parce que ma concentration va être maximale. Aïe. Ah, j'ai fait large. J'ai fait large. 50, de gauche, sur crête. Dans de droite, dans de gauche, sur crête. Dans long, 3 droite. Dans 3 gauche. 50, sur crête.
50 sur crête. Dans 2 gauche. Dans 3 gauche. 50, 3 gauche. Oula, oula, oula. Sur crête, dans 3 à gauche. Et 2 droite. 50, 2 droite. Attention, sur crête, dans 3 à gauche. 100, très long, 4 gauche. Oh là 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 là. Non mais là, 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 il y a les chronos stratosphériques de Richard Burns. Dans 3 droite. Là, à mon avis, je pense que c'est fait exprès. C'est un hommage pour le remercier d'avoir collaboré à la mise au point, à la création de la licence, je pense, du jeu. Parce que bien que plus tard, après, il aura sa licence propre. Parce que pour battre le chrono de Richard Burns, vas-y, quoi. C'est le roi en son fief, là. On a vu qu'au général, j'avais déjà une minute de retard. Surtout faire gaffe de ne pas taper le décor. Oh, je commence à avoir faim. Je commence à avoir le ventre qui crie famine. J'ai l'estomac qui gargouille déjà. Quand je vais aller me restaurer dans quelques minutes, je sens que je vais manger comme un ogre. J'ai encore besoin de récupérer des forces. Mon organisme me le demande. Oh ! Oula. Oh là 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 là. Non mais c'est pas possible. Parce que je suis pas trop mauvais et il me dit que j'ai 25 secondes de retard. Là je pense qu'ils ont pas fait de distinction entre le mode facile et difficile. Pour le dernier rallye, ils ont d'ailleurs peut-être été pris dans les délais de sortie du jeu. Ils ont pas eu le temps d'adapter les chronos en fonction du niveau de difficulté. Et là, je pense qu'on a les chronos véritables, quoi. L'équivalent en difficile. Parce que j'ai pas eu un gros accident et il me dit que la portion, j'ai 25 secondes de retard. C'est faut connaître, un, le tracé par cœur. Et deux, il faut régler dans le détail la voiture avec les bons rapports de vitesse, les bons réglages d'amortisseurs, etc. Là, franchement, à ce niveau-là, oui. Bon, bah voilà, c'est fini. J'ai tout dans le rouge. Bah oui, quasiment 30 secondes de retard. Voilà, j'ai officiellement fini avec vous, WRC1. Génial. Et bah, il faut savoir qu'il y a les 4 autres qui nous restent à faire sur la PS2. Le 2, le 3, le 4 et le 5e spécial Sébastien Loeb. Ça va être un régal. Ça va être génial dans les mois à venir. Que du bonheur. Alors attendez, je vous lis évidemment. Pardon, je remonte le chat et je vous lis. Tac, 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 tac. Est-ce que Richard a un lien avec Monsieur Burns? Pas de fan. N'importe quoi. Attention au cochon d'Inde qui peut traverser. Oui, alors, les animaux en bord de piste, Twinsen, il y avait dans WRC le week-end dernier, c'était la Nouvelle-Zélande, il y avait des vaches sur le bas-côté. C'est implémenté dans le simulateur aussi, les animaux. Je sens que je vais pas streamer aujourd'hui. Trop mal au dos et trop envie de me poser vraiment. Bref, me reposer un peu. Bah, je te comprends, Olive, ouais. Ouais, dans les choix, c'était vraiment claqué. Et puis, que tu sais que par avance, comme tu l'as déclaré, que tu vas avoir une semaine de boulot intensive qui va t'arriver dans la tronche après, vaut mieux que tu te ménages et tant pis pour le plaisir de diffuser. Et Dieu sait qu'on aime bien te suivre, surtout Morbo aussi, qui te suit plus régulièrement que moi. Mais, ouais, voilà, quoi.
Oui, Richard Burns, ça fait des bounces pour démarrer. Sûrement, une scène, sûrement. Ouais. Comme dit Bastos, ouais. Privilégie le fait de te reposer, Olive. Ouais. Oui, c'est au moment où je le dis que je me, ouais, que je percute joyeusement le décor. Je crois que je vais comater devant les streams. Oui, le tien, celui de Morbeau, oui. Oui, Morbeau, oui, il va sûrement. Morbeau, roi des Gorées, il va prendre le. Généralement, il prend son direct en fin de journée, ouais. 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 Ah là 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 là. Ah tiens, effectivement je disais qu'il fallait juste entrer son nom et rajouter point d'interrogation en fin de phrase, mais ce serait pas suffisant pour provoquer Weissbot, ou alors il a planté, il faut peut-être rajouter quand même du texte entre les deux. La démonstration est faite. Ouais. Ah ouais, faut quand même rajouter quelques mots entre Weissbot et point d'interrogation. Ah, vous voyez, je la prends avec vous. Bon, pardon. Je vais avoir un restant de marc de café entre les dents. Bon. Voilà, pile poil 13h, va y avoir le coucou. D'ailleurs, le coucou d'un instant à l'autre. Émoticône souriant. Funfan1992 dit ceci. Weissbot, il a des dossiers sur tout le monde. C'est le caribou qui l'a dit. Ouais. Eh ben, c'est intéressant comme observation, Funfan. Je crois qu'en déclenchant la voix de synthèse, t'as cassé le coucou. Qui aurait pu avoir lieu à la suite, après. Mais finalement, il s'est mis en retrait. C'est intéressant comme expérience. C'est ça, Bambastos. Funfan a coupé la chic au coucou. Ouais, complètement. Ah, le ciel était beau, là. En ocre aussi, orangé, rouge, jaune. C'était beau. Eh ben voilà. Génial. Résultat final. Est-ce qu'il y a une vidéo finale de fin de championnat? Nous allons découvrir ça ensemble. Eh bien. J'ai l'impression que j'ai vu la... Ouais, sauvegarder partie en grisé. Eh bien. Ouais, je finis quatrième du... Ah non, c'est l'épreuve, ça. Non, je suis... Ah, je finis sur le podium, quand même. Troisième du rallye de Grande-Bretagne. Non, mais c'est stratosphérique pour Richard Burns. Oh. À la limite, encore, j'aurais fait une conduite, un pilotage propre. Carlos Sainz, je pouvais le battre. Mais Richard Burns, c'est impossible. Il est vraiment dans son royaume, là. Là, pour le battre, dur, dur. Donc, le max théorique, c'est 140 points. Là, j'en ai 134, la classe. Ouais, énorme. Ah, je me suis promené en facile, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Voilà tous les résultats. Sympa, sympa. Ah. Oh ! Générique de fin avec des séquences de fous furieux. Ah, c'est sympa ça. Oh là, oui, il a perdu une pièce, tiens. On l'a vu rapidement. C'est ce qui a failli se produire pour moi tout à l'heure. J'ai fait un de ces sauts. Oh, c'est sympa le générique de fin avec les séquences. Toutes les séquences vidéo. Eh ben, c'était cool. Oh, mon Dieu. Oh là là. Waouh, la vidéo de fou. C'est un coup à se faire tuer. Je suis même surpris qu'ils aient mis la vidéo, là. Ça fait froid dans le dos, le photographe qui s'est viandé sur la piste. Le truc à pas faire.
Voilà, il y a les remerciements ouais, envers Dev Richards pour la création de l'émulateur, et toutes les équipes, tout le monde, ouais. Ouais, ouais. Oui, toutes les heures investies, ouais, je n'ose imaginer. Oh là là, ça fait peur comme séquence. Mon Dieu. Ah, il y a eu des drames, hein. Il y a eu des drames en sport automobile. Malheureusement, c'est... Oh là là, c'est très dangereux. Bref, j'en aurais presque le souffle coupé. Ouais, ça va, ça c'est sympa, c'est gentil. Ouais, non, 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 ouais, le coup du photographe. Mais si, si, enfin, je pense qu'ils ont coupé la poire en deux. Ils ont pudiquement, ils ont coupé avant qu'il y ait un possible collision avec le photographe. Je pars du principe que s'il a été percuté, il s'en est sorti vivant parce que. Par pudeur, ils n'auraient pas publié l'extrait de séquence pour la famille si ça, il y aurait dû y avoir un final tragique. Mais la séquence est suffisamment marquante, justement, pour faire de la prévention en disant « Faites pas les idiots au bord de la route, que ce soit compétition ou pas, voilà quoi. » C'est-à-dire qu'il y a, mise en péril, hein. Ça déconne zéro, hein. C'est vraiment une discipline où il faut être exigeant et pas merder. Donc les suppléments, sinon c'est quoi? Secret. Ah, épreuve bonus, tiens. Je sais pas comment on fait pour avoir des épreuves bonus. Ah 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 ah. Faudra peut-être que je me renseigne. Bah peut-être que dimanche matin prochain, peut-être que je me serai renseigné pour faire débloquer les épreuves bonus. Il doit y avoir les astuces sur internet et je vous ferai peut-être ça dimanche prochain. On n'en a peut-être pas fini avec le 1. Et puis je vais peut-être piocher aussi au hasard dimanche prochain dans des épreuves que j'aurais appréciées, dont la Suède. Je me referais bien la Suède, mais avec une autre bagnole. On verra, on verra. Il y a Challenge WRC que j'ai pas fait. Ouais, il y a 3 épreuves à faire. On fera peut-être ça le week-end prochain. Bref, tout ça pour dire que. Alors que je fasse pas de bêtises, on va revenir en plan large. Donc je vais vous saluer, merci FunFan hein, pour la modération déjà ne serait-ce que ce matin. Là je vais prendre le temps de me restaurer, de prendre mon déjeuner peinard pépouze. Donc on se retrouve dans une heure. Je pense que d'ici une heure, voilà, à partir de 14h, je relancerai le signal. Je serai sous Duke Nukem. On va se faire les Caraïbes avec Duke. On va bien se marrer en gros de 14h à 18h. Et on enchaînera avec l'ami Mambasto, c'est théoriquement le dessin, si on est assez nombreux en participants. Ce serait génial, au niveau d'un dimanche récréatif. Voilà, dans une heure, merci tout plein Olive. Là, voilà, oui, tu donnes pas cher du photographe, ouais, la terrible séquence, voilà. C'est dingue qu'on finisse là-dessus. Bon, bisous tout plein. Oh, merci pour les codes, Twinsen. Oh là là, t'es... Alors, ça, je vais prendre en copier-coller. Merci tout plein, Twinsen. Je vais prendre en copier-coller et je les déclencherai dimanche prochain. Dimanche matin, je les ferai avec vous avec grand plaisir. Ouais, bon appétit à tout à l'heure. Voilà, je vais faire mon vilain pas de relais de chaîne. Je vais couper net brut. Je vais me relancer mon ordi le temps que je déjeune. Histoire qu'il réinitialise tout et que j'ai un Streamlabs propre qui soit pas buggé pour le Duke Nukem de tout à l'heure. Merci tout plein de m'avoir suivi. Merci FunFal pour la modération. On se retrouve dans une heure. Bon appétit, bon repos, à tout à l'heure. Merci de m'avoir suivi, ciao ciao. Je sais plus où mettre les yeux, attention je coupe. Je sais pas si j'ai coupé. Non, je me suis planté.